Bonsoir à toutes et à tous, ça y est, c'est le moment tant attendu, les finales de la Synerglas League Magnus ce soir à Pôle Sud. Et quelle affiche entre les Brûleurs de Loup de Grenoble, champion en titre, et les Dragons de Rouen, champion il y a deux saisons. C'est une affiche rêvée pour une saison extraordinaire qui approche à sa fin, mais qui approche avec le meilleur. Les finales de la Synerglas League Magnus, elle est là. La Coupe Magnus qui va être brandie au minimum dans 4 parties, au maximum dans 7 matchs. Et pour commenter cette rencontre avec moi, c'est une légende du commentaire, plus de 20 ans de commentaire NHL, Stéphane Clou. Merci d'être avec nous. Difficile de rêver plus belle affiche. Oui, très clairement. Merci Charles, en tout cas. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous également. Oui, on pouvait rêver mieux. On en avait parlé de tout le long de la saison. C'était, voilà, on les attendait vraiment en finale. Maintenant, on sait que il finirait dans les 8 premiers, et aller chercher une finale, c'est toujours difficile. Les tours précédents, on l'a vu, il y a eu des difficultés dans certains tours pour ces deux équipes. Donc voilà, on les retrouve aujourd'hui en finale, et c'est effectivement une des belles finales qu'on attendait, de retrouver Grenoble et Rouen. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Et oui, les Rouennais qui se sont imposés en 6 matchs face au Duc d'Angers et donc participent au final de la Synerglas League Magnus. C'était Angers la saison passée, et donc en 6 matchs ils se sont imposés. Et du côté des Brûleurs de Loup de Grenoble, on va dire qu'ils ont réussi à mettre la machine en route, hein, Stéphane. 4-0, et offensivement ils ont déroulé. Ah oui, c'est rien de le dire, 28 buts marqués sur ces 4 matchs, seulement 7 buts encaissés, donc moins de 2 buts par match encaissé, 7 buts marqués de moyenne, enfin même 7 buts tout rond, puisqu'un total de 28 sur les 4 matchs. Ils ont déroulé, hein, que ce soit sur le plan offensif ou sur le plan défensif. Ils ont écrasé dès le début, dès le premier match, avec cette victoire 9-2 sur le premier match. Et puis le dernier, hein, ils se sont imposés aussi par une grosse marge sur le score de 8 buts à 2. Du coup, il y a eu un petit peu de temps de récupération supplémentaire, hein, par rapport au Dragon de Rouen. Et ça peut jouer, notamment dans ce match numéro 1. Oui, ça peut très clairement jouer. Il y a eu la question de rythme aussi. Il peut y avoir de la fatigue aussi du côté rouennais. Mais c'est vrai qu'il y a eu 9 jours de repos, hein, pour Grenoble. Pour Rouen, beaucoup moins. Hein, seulement 4 jours de repos. Ça peut jouer. On verra dès le début du match, hein, comment on va se trouver. Mais c'est vrai que le rythme, en tout cas, même si Rouen peut être un peu plus fatigué, ce qui est logique, hein, moins de récup. Mais on est sur un rythme. On a joué de façon intensive. Comme vous le disiez, cette série qui a été beaucoup plus compliqué, gagné par les Rouennais sur le score de 4 victoires à 2 dans la série précédente en demi-finale. Et ils ont fait le travail lors du match numéro 6, victoire 3-0, avec un blanchissage notamment pour Mattia Pintarić. Ça va être l'une des clés ce soir, on en reparlera un petit peu plus tard. On va tout de suite écouter le coach des Brûleurs de Loup, Jirki Aho. Hello coach, you are heading to the finals with a lot of confidence. 4-0. Vous accédez au final avec beaucoup de confiance, 4-0 face à Sergi. Comment est votre équipe maintenant? C'est une bonne question. When the game will start, but, on verra quand le match va commencer. Mais oui, nous avons eu un break assez long, une longue pause. Et il va falloir être prêt immédiatement dès le départ. Quelles sont les clés pour cette partie dès le début? Saison des finales. Donc, tout va compter, tout va être important. Le jeu offensif, évidemment. Comment vont être les unités spéciales? Combien de pénalités vous prenez? Et puis, comment vous allez être en supériorité numérique? Toutes les petites choses vont être très intéressantes à suivre. On va voir ça dès aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs juste avant la rencontre? Je vais dire quelque chose comme let's go. On a déjà tout préparé, tout planifié, donc maintenant c'est le moment de jouer. Nous sommes à guichet fermé ici à la patinoire de Pôle Sud, et le spectacle est au rendez-vous déjà. Avant le début de cette partie, le loup est baissé, il va cracher du feu dans quelques instants. En tout cas, nouveau guichet fermé, Stéphane, peut s'attendre à une belle fête, hein, ce soir. Oui, très clairement, on a de la chance aussi. On en a parlé tout à l'heure par rapport à ces deux équipes qui sont en finale. Hein. Ça fait partie des belles places de hockey en France, un endroit où il y a le plus de spectateurs, hein, le plus de, voilà, avec, on s'en oublie, Amiens, Angers. Enfin, cette année, ça a été assez exceptionnel en termes d'entrée dans les patinoires. Hein. C'était souvent plein, mais là, effectivement, on se retrouve dans un des hauts lieux du hockey français, et dans une patinoire qui est encore une fois une des plus belles en France. Donc effectivement, avoir tout le monde comme ça aujourd'hui, on voit l'ambiance qu'il y avait, hein, les personnes qui étaient présentes assez tôt pour avoir des bonnes places. Donc c'est assez étonnant, et on a refusé des centaines de personnes pour cette finale. Dixit, la direction du club.
Et on profite donc de ce mapping, un vrai spectacle ici dans cette patinoire de Pôle Sud. La température est en train de monter et c'est pas que à cause du loup qui crache du feu. Il y a du monde dans cette patinoire et on va parler d'une absence qui peut peser pour ces finales. C'est celle de Valentin Clairaut qui s'est blessé juste avant le match numéro 5 face au Duc d'Angers. C'est un international français. C'est un joueur qui aurait pu avoir son importance ce soir. Ah oui, ça fait perdre un joueur de centre important pour Rouen. Ça va être compliqué. C'est un des points négatifs. On est toujours vivants, je vous rassure. Charles et moi sommes toujours là. Et nous ne sommes pas à Columbus. Et nous ne sommes pas à Columbus. Donc oui, perdre un centre comme ça, c'est difficile avant une finale. C'est sûr qu'on a besoin de la totalité d'effectifs. Voilà, on a eu la perte de ce centre. Il y a des solutions pour Fabrice Lhorry. Oui. Mais clairement, c'est une très grosse perte, non seulement pour Rouen, mais après pour l'équipe de France. Et oui, vous en parliez justement de Fabrice Lhorry. Eh bien, on va en profiter pour l'écouter. Tiens, tout de suite. Bonsoir Fabrice, pas beaucoup de repos pour vous. On peut dire que vous gardez le rythme à l'approche de ce match numéro 1. Ouais, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de repos quand même. On était content de ne pas jouer dimanche justement. Ça aurait été plus compliqué. Mais les joueurs ont l'habitude d'enchaîner, aiment enchaîner aussi. Et puis bon, quand on joue une finale, on oublie la fatigue aussi. Je pense qu'ils sont préparés pour ça. Ça fait plus de 60 matchs qu'on joue cette année. Donc là, ils ont l'habitude de les enchaîner. Ouais. La saison est longue, elle est très longue. Quelles sont les clés pour ce match numéro 1 et même pour cette série face à une formation qui est invaincue à la maison? Je pense que les clés, ça va être déjà la discipline. On sait que un peu tous les matchs, c'est comme ça dans les playoffs. Les unités spéciales peuvent faire la différence. Après, il va falloir être intense aussi contre une équipe de Grenoble qui a des très bons patineurs et puis essayer aussi de les priver du palais. Nous, on avait cette capacité à conserver le palais, à jouer collectivement. Et voilà, si on peut le faire, être bien organisé tactiquement, mais aussi être smart avec le palais, toujours prendre des risques aussi, le conserver le plus possible. Je pense que voilà, ça va être, les clés vont être là. En Grenoble, ça vous connaît, c'est une belle affiche. Oui, c'est un peu les classicos du championnat. Et puis, on est sûr qu'il y aura de belles ambiances dans les deux patinoires. Et puis, on espère faire plaisir à tous les fans qui vont regarder le match ou ceux qui vont venir dans les patinoires. Et puis, donner du spectacle parce que voilà, y a des jeunes aussi qui regardent ça et il faut les faire rêver. Merci beaucoup, bon match et puis bonne finale. Merci à vous. Merci. Évidemment, l'hymne national français qui est entonné pour la première fois pour ces finales de la Synerglas Ligue Magnus. On approche du moment tant attendu. Stéphane. Désolé, fallait que ça arrive une fois. Stéphane, un match dans le match extrêmement important. On va surveiller cela de près. D'un côté, Mattia Pintarić et de l'autre, Jakub Stepanek, les deux portiers. Oui, on a deux gardiens, les deux gardes deux. Deux des bons gardiens de cette saison, encore une fois. De toute façon, il y en avait beaucoup cette saison. On a eu le Papillon, on a eu, voilà, je ne vais pas tous les nommer maintenant, mais il y a eu beaucoup de bons gardiens. On est dans le haut du tableau encore. Alors, Pintarić, lui, par contre, a eu des petits soucis, a été blessé pendant la saison, mais oui. Depuis qu'il est revenu, il est au top. C'est un petit peu plus irrégulier cette saison pour Stepanek, qui le reconnaissait lui-même lors d'une interview aujourd'hui pour la télé locale et qui, clairement, voilà, il était un petit peu en dents de scie. Et de toute façon, ça sera une des clés du match, comme bien sûr les infériorités, les supériorités numériques, comme l'a évoqué tout à l'heure dans son interview Fabrice Lhorry. Et on voit justement les statistiques de Jakub Stepanek, 90,7% d'arrêt de but, de moyenne encaissée pour le gardien des brûleurs de loup, qui a connu la joie du titre la saison dernière avec cette formation des brûleurs de loup qui ont cette expérience d'avoir remporté la Coupe de France cette saison et le titre. Et de l'autre côté, évidemment, Mattia Pintarić qui lui a de très très belles statistiques en playoff avec
contre plus de 93%, Stéphane, ça c'est impressionnant. Oui, alors on l'a vu, il y avait que deux buts encaissés du côté du gardien de Grenoble. C'est vrai qu'on Pintaric, ce qui est important aussi de voir au-delà des 2,10 buts, 2,1 buts encaissés par match, hein, ce qui est très bas aussi, hein, tout ce qui est en dessous de 2,5 c'est vraiment top. Mais ce qui est important, c'est la différence entre les 90% de moyenne et les 93, plus de 93% de moyenne d'arrêt pour Pintaric. Ça c'est énorme, oui. Ça fait vraiment la différence. On a vu le coup d'envoi fictif qui vient d'être donné, les deux capitaines qui se sont fait face, Joël Champagne qui va prendre sa retraite à l'issue de ces finales, qui fait face à Loïc Lampérier qui a fait face lors de ce premier face-off fictif qui ne compte pas. Nouveau capitaine cette saison des Dragons de Rouen qui ont été champions en 2021, mais pour rappel, il n'y avait pas eu de séries éliminatoires. Le président des Voleurs de Loup l'a bien rappelé en interview, ça on peut dire que le match a été lancé avant le match. Oui, très clairement, c'est vrai que c'était un peu particulier cette remise par rapport au Covid, hein, cette remise de Coupe Magnus. Voilà, c'est un choix qui avait été fait, mais voilà, par rapport au classement de la saison régulière. Maintenant, c'est sûr qu'il y a eu quelques petites explications par médias interposés depuis quelques jours, hein, depuis qu'on sait que Rouen est qualifié depuis vendredi, ce qui est assez logique avant un match. Voilà, et maintenant, ça va commencer. Le vrai va être dans quelques secondes maintenant. Oui, avec Kyle Hardy qui est présent avec son casque d'or. Et tandis que juste avant le coup d'envoi, on va vous faire un petit cadeau. Il y a monsieur Damien Bic qui va être équipé d'un micro. Eh oui, équipé d'un micro, donc on va pouvoir entendre les explications avec les joueurs ou les pénalités. Enfin voilà, il n'y a qu'un des deux arbitres aide qui est équipé, donc c'est Bic Damien, comme le disait Charles. Allez, c'est parti pour la première manche des finales de la Synerglas Ligue Magnus. Le choc des titans entre les brûleurs de loups de Grenoble, en bleu dans leur couleur traditionnelle, face aux jaunes, les dragons de Rouen, les deux derniers champions en titre. Les arbitres d'ailleurs qui vont officier pour cette rencontre. Et bien en aide avec Bic Damien, il y aura Dehaene Pierre. Et les juges de ligne, Ugolini, pardon, Quentin et Constantino Nicolas. A noter que le superviseur est Monsieur Hort Fabrice, le secrétaire de match Brady Eric et chronométreur Romera Jean-Marc. Voilà, comme ça vous savez tout. Voilà, tout est dit. Allez, Chakiachvili qui vient trouver Boivin, forcément. Il y a la grosse ligne, hein, qui commence directement du côté des Dragons de Rouen. Celle composée de François Beauchemin qui a été énorme cette saison. Nouveau recordman de points en saison régulière. Avec son compère, le serial buteur Boivin, et Malène qui vient compléter ce trio. Et ça fait déjà deux dégagements refusés en moins de 30 secondes pour les Dragons de Rouen. On ne prend vraiment aucun risque, hein, dans ce début de partie. Oui, mais de toute façon, on va avoir sûrement de l'observation, un rôle d'observation. Hein. Personne ne va ouvrir très clairement sur les 10 premières minutes. Et on a vu déjà, hein, sur les palais renvoyés, voilà, pas de risque de prix. Et attention à cette ligne qui peut faire mal. Dylan Fabre avec Nicolas Deschamps et évidemment le tout nouveau international retraité Damien Fleury qui vient compléter ce trio offensif. Charlie Dodero qui vient trouver Sacha Grimond qui a eu une importance capitale lors du tour précédent face au Duc d'Angers. Loïc Lampérier sur le côté, il a été chargé par Nicolas Deschamps. Joueurs de son venu faire son repli. Les premières séquences en zone offensive pour les Dragons de Rouen avec Roland Zwiniers qui tente de trouver un coéquipier derrière les buts. En l'occurrence, Lampérier. Il y a de gros duels et ce palais qui est récupéré par les Brûleurs de Loup. Attention à ce palais perdu. Oh, le réflexe tout de suite de Stepanek. Ouais, Nicolas Deschamps qui a pris un risque là, en repiquant devant son gardien. Et le palais intercepté. Et heureusement, le danger a été éloigné dans un deuxième temps, mais. Attention à la petite prise de risque, là, il y a une passe facile, hein, sur le côté, c'est un petit risque de prix et sans conséquence pour l'instant. Route d'observation certes, mais attention de ne pas faire d'erreur. Ah, très clairement, de toute façon on le sait, hein, ce type de match est à une ou deux erreurs après, hein, entre les deux équipes. Voilà, c'est ce qui change le match, c'est une toute petite ou deux petites erreurs dans un match. Attention, ils font basculer. Ouais. Et Stepanek qui n'arrive pas à se saisir du palais. Se jeter. C'était assez surprenant cette sortie de Stepanek qui a admis totalement que cette saison il se sentait un petit peu moins bien que la saison dernière, mais que ça tournait quand même pour les Brûleurs de Loup qui ont remporté la Coupe de France. Oui, on l'a et qui lui-même a des statistiques assez correctes. Oui, peu de buts encaissés. C'est vrai qu'il a une bonne défense, hein, même s'il y a certains défenseurs qui sont un peu trop offensifs, à mon avis, et pas toujours très prudent. Mais en tout cas, ça a fonctionné. On rappelle Grenoble qui n'a jamais perdu la domicile de la saison. Et ça va être une des vraies clés pour cette finale de la Synerglas Ligue Magnus. La solidité à domicile des
brûleur de loup, attention avec Flavien Der. Ouais, c'est bien joué entre les jambes de la part de Perret, mais attention, c'est perdu. La marche. L'ancien joueur des Dragons de Rouen qui vient mettre en fond de zone et Loriné avec Perret et Loriné, le Finlandais qui parvient à sortir ce palais face au casque d'or Hardy, qui est énorme dans ses playoffs. 7 buts, 7 passes décisives au début des séries éliminatoires. Et c'est lui qui a le casque d'or de meilleur scoreur des Brûleurs de Loups. La ligne des jeunes qui travaille fort, Kalien Le Borgne avec Dodero. Palais qui est dans le coin. À l'accélération de Julien Munoz. Finalement, c'est Sacha Guimond qui est le premier sur ce palais. Et c'est la première ligne qui est de retour du côté des Dragons de Rouen avec Boivin. Ouais. Ouais, la bonne entrée en zone. Mais non, finalement, il y a une position de hors-jeu qui est décidée. Oui, palais perdu à l'entrée en zone. Et le joueur sur le côté gauche qui est rentré un petit peu trop tôt. Et mauvais contrôle qui a entraîné ce hors-jeu. Elle était belle la feinte, mais le problème c'est qu'il a feinté aussi son coéquipier. Oui, à la bleue. Voilà, on voit, il perd le contrôle, on se croise et alors à gauche, hein, hors caméra, c'est hors cadre en tout cas. L'entrée en zone qui a entraîné le hors-jeu. Et la mise au jeu qui a été prise par Rouen. Avec Sacha Guimond qui temporise tranquillement le palais qui a été dévié. Pas de dégagement refusé. Géré Ruihainen qui est en possession. Ruihainen sur le côté qui tente de dégager son camp. C'est récupéré par Sacha Guimond. Le tir puissant qui est arrêté par Stepanek. Il a relâché ce palais, mais c'est sans gravité pour les Brûleurs de Loups. Hein, il rentre bien dans cette partie, les Dragons de Rouen. Oui, c'est Rouen qui est devant pour l'instant sur les 3 premières minutes 30 de jeu, presque. C'est montré plus dangereux. Il a dit en interview d'avant-match Fabrice Lenry qui ne voulait pas dénaturer leur jeu, continuer d'être en possession, en contrôle du palais. Et c'est le cas dans ce début de partie, dans ces premières minutes de jeu. Le palais qui est dégagé. Et ce sera un dégagement. Et ça s'est joué à quelques centimètres. Oui, pas beaucoup. Pintaric qui avait assuré avec sa jambière et collé au poteau. Laisser filer le palais pour une nouvelle mise. C'est important, hein, les dégagements interdits. On vous le rappelle, hein, les joueurs qui. Sont les juges du dégagement interdit, en l'occurrence Grenoble, mais vous êtes obligé de garder les mêmes joueurs sur la glace, sur le dégagement interdit. Et tandis que de l'autre côté, on en a profité pour mettre du sang frais, Lamperrier, Kelsey Tessier et Roland Zwigners. Raymond derrière. La mise au jeu qui a été prise par Grenoble en zone défensive, c'est important. On sait l'importance des mises au jeu. Palais qui est en zone neutre avec Joël Champagne, le capitaine. La passe pour Damien Fleury, ça va finalement arriver jusqu'à Lucien Renaud. Je suis pas sûr. Ça s'est pas joué à grand chose. Je pense qu'on avait vu Sacha Treille faire l'effort pour sortir de la zone. J'ai un petit doute sur le hors-jeu, mais l'arbitre est quand même mieux placé que nous. Il n'y a pas beaucoup de contestation non plus. Donc après, il faut rester dans son match. Hein. C'est pas le moment de sortir de son match pour un hors-jeu. Et la mise au jeu encore prise par Deschamps. Avec le palais qui fait le tour, qui arrive jusqu'à Chakiashvili, qui a été le héros de ce match numéro 5 face à Angers. Attention à ce tir lointain, il y a du trafic, le lancer et le premier arrêt. Le voici pour Matija Pintaric, sans rebond laissé. Ah oui, il garde le palais logiquement. Il y avait un peu plus de trafic sur le lancer précédent, sur le premier prix du côté de Grenoble. Là, il y avait du trafic et logiquement, Pintaric ne va pas prendre risque. Voilà, il y a du monde devant lui. Ça rebondit d'abord sur les jambières de son défenseur. Et là, quand le palais va venir vers lui avec la mitaine, il va le conserver logiquement. Et l'engagement qui est remporté, attention, c'est bien fait. Le tir instantané de la part de Damien Fleury. Ça aussi, ça va être un élément très important à suivre pendant cette finale. Le lancer de Damien Fleury qui en a brisé sa crosse. Et c'est arrivé directement jusqu'au camp d'attrape de Matija Pintaric. Ouais, c'est bien. Mise au jeu rapide et le lancer instantané. L'importance de mise au jeu encore, zone défensive, zone offensive, ça dépend de quel côté on se place. Mais celle-ci, il faut les prendre. La zone neutre, c'est pas très grave. Mais dès que vous êtes dans votre zone défensive. Ah, ça peut amener un lancer instantané, ça a été le cas sur ce tir de Damien Fleury, arrêté par Pintaric. Avec Chakiashvili qui envoie ce palais en fond de zone. C'est Ono qui va être le premier dessus. Crinon sur le côté. À gauche, cherche Dylan Fab. Ça va revenir jusqu'à Eloriné dans sa zone défensive. Eloriné pour Chakiashvili sur le côté. Neza. Lucenius, ouais, c'est un 2 contre 3, pas de position de hors-jeu. Lucenius, la passe finalement un peu longue pour Eloriné. Et Pierre Crinon qui en profite pour mettre une charge. Pas beaucoup de lancers dans ces premières minutes de jeu, on pouvait s'y attendre. Ce match numéro 1 des finales de la Sinerglas League Magnus. Dodero, palais qui a quitté la zone offensive. Dodero pour Maya.
pour l'instant deux formations qui sont disciplinées dans ces 5 premières minutes de jeu. Ça va être un élément extrêmement important. C'est final des supériorités numériques et les unités spéciales. Attention, oui, à Aubin qui était présent en embuscade. C'est bien fait, hein, le check avant à 1-2-2. On a vu le premier joueur qui force, on est quand même prudent. Et le deuxième qui a réussi à récupérer le palais, même si ça réussit une nouvelle fois à sortir de sa zone, mais avec un peu plus de difficultés. Dodero qui vient retrouver Sacha Guimon. Plus de 5 minutes de jeu. La marche, hein. La passe, hein. Ouais, il cherchait Aubin, il va la voir en deux temps, mais ce palais qui est récupéré en zone neutre par Charlie Dodero, qui vient trouver tout de suite Enzo Cantagallo, qui peut temporiser tranquillement derrière les filets de Pintaric. Et là, on voit, on ne va pas beaucoup presser, hein, du côté. Ah, si ce n'est Aubin. On ne perd pas de joueur, ouais. Ça reste devant. En tout cas, on ne force pas derrière la cage. Ouais, parce que ça peut aller très vite, notamment avec Boivin. Serial buteur de cette formation des Dragons de Rouen, pas de pénalité, le jeu qui peut continuer. Allez. Le jeu qui est en zone défensive du côté des Dragons de Rouen, beau chemin. La passe pour Yeo, attention, il y a deux joueurs sur son dos. La passe sur le côté pour Boivin. La rondelle qui est libre et qui est récupérée par Yeo. Oh, que c'est bien fait de la part de Dylan Yeo qui vient trouver ensuite beau chemin. La passe du revers pour Boivin, mais c'est récupéré par les brûleurs de loups. Mais que c'était bien joué de la part de Dylan Yeo. Oh, attention, Dylan Coudry dans ses œuvres. Que c'est bien joué Adel Coudry sur le côté qui a fait la différence pour ouvrir le score ici à Pôle Sud. 1-0 pour les brûleurs de loups de Grenoble. Neuvième point pour Adel Coudry. Après le travail de Yeo, en tout cas la ligne bleue qui était un petit peu risquée, mais il s'en sort bien. Et bien le palais va être perdu quand même assez rapidement par Rouen. Ça revient très rapidement sur le côté droit. Et là Yeo par contre n'a rien pu faire sur ce 1 contre 1. Et c'est bien fait de repiquer vers la cage. Alors Pintaric est un petit peu trop décalé, hein. Il a sa jambière au départ de l'action qui est vraiment à gauche de son poteau. Et après ça vient passer au-dessus de la plaque. C'est parfaitement. Ah oui, la finition est superbe de la part de Adel Coudry qui vient marquer le premier but donc de ces finales de la Signal Classic Magnus après un enchaînement fantastique qui est venu se loger en pleine lucarne. 1-0 pour les brûleurs de loups de Grenoble. Ah, sur leur troisième lancée depuis le début de la rencontre. Sacha Trey. Ah, il faut y aller au contact face à Sacha Trey. Ah mais solide. Bien joué de la part de Shaki Ashvili, deux joueurs qui se connaissent très bien en équipe de France. Et Loriné sur le côté, ça a été légèrement touché par Kelsey Dessier, le jeu qui peut continuer. Rouyainen dans le coin qui cherche un coéquipier. Ce sera Joël Champagne. Et tout de suite, les Dragons de Rouen qui tentent de mettre la pression. Et le palais qui peut être dégagé. Et attention, il va y avoir une minutes, pénalité. Ouais. Oui, il y a eu un coup de crosse là donné par Charlie Dodero sur Dylan Fabre. Et donc première pénalité de la rencontre. Et donc la première pénalité de ce match. Attention, énorme occasion pour les brûleurs de loups d'accroître leur avance dans ce premier tiers-temps, dans ces premières minutes de jeu. Pénalité donc donnée à Charlie Dodero et avantage numérique pour les brûleurs de loups de Grenoble qui sont en train de prendre à la gorge dans ce début de partie les Dragons de Rouen. Oden qui remporte cet engagement. Kyle Hardy à la pointe, le décalage pour Nicolas Deschamps. Attention, il y a d'espace pour Nicolas Deschamps. Le tir, il n'est pas parvenu à bien lancer et ça a été dégagé par les Dragons. Oh, que c'était chaud et encore là. Oui, contact entre Oden et Loriné. Deux joueurs qui sont restés au sol de longues secondes. Damien Fleury qui accélère. Fleury, la passe pour Poukoula. De l'autre côté, chercher Oden. C'est récupéré par Bedin qui peut dégager son camp. Ouais, bien coupé par Loriné encore pour envoyer le palais dans la zone neutre. Attention, ça revient vite avec une longue transversale. Il y aura pas de dégagement interdit. Ah, il fallait qu'il est jouable, récupéré par Grenoble. Oden qui vient trouver Nicolas Deschamps sur le côté droit. Il reste une minute et 19 secondes encore à faire en supériorité numérique. C'est beaucoup de temps pour les brûleurs de loups d'accroître leur avance et beaucoup de temps à tuer pour les Dragons de Rouen. Attention à ce tir lointain, c'est bloqué. Enzo Cantagallo qui peut se dégager et donner un bol d'air à sa formation. Ah, c'est bien fait de la part de Cantagallo qui a bloqué le palais de Hardy. C'est envoyé de l'autre côté, changement de ligne des deux côtés. Hardy, 56 secondes encore à jouer en supériorité numérique avec Sacha Trey. Aurélien Der, c'est bien joué, la passe pour Robin qui cherche et trouve Sacha Trey. Il va en profiter pour retrouver derrière Aurélien Der. Il y a Shaki Ashvili qui est dans le coin.
Et il enchaîne les minutes de jeu. Hein, Florian Tsakhachvili depuis le début de cette partie. Kalyan Le Borgne qui ne prend aucun risque et qui renvoie loin devant ce palais, tandis que sa formation est toujours en infériorité numérique pour quelques secondes encore. Le long dégagement, et attention, ouais, ça c'est une erreur, dégagement refusé au brûleur de loup de Grenoble, c'était Champagne qui était recherché là-dessus. Ouais, ça va permettre à Rouen de souffler un petit peu, de retourner devant le but de Grenoble. 26 secondes encore d'infériorité numérique à jouer. Et on revoit, grâce à l'axe opposé, ce tir, cette finition sublime en pleine lucarne de la part de Adel Koudri, qui a vraiment réussi à mettre dans le vent Yeo, auteur d'un superbe jeu avant cela. Oh oui, il y a un problème de plexiglas sur le côté. Oui, les chocs sont tellement violents que oui, il y a un plexiglas qui a été délogé, il faut le remettre. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Stéphane, une analyse du coup de ces 9 premières minutes de jeu, de ces 9 petites premières minutes de jeu. Au début, on a vu un Rouen entreprenant. Et derrière, ils se sont fait surprendre, alors qu'on pensait qu'Eo avait fait un bon jeu, même si c'était risqué, ils s'en étaient sortis. Derrière, oui, c'est risqué, mais après, il n'y a pas une bonne passe. Donc le palais est récupéré par Grenoble, qui va revenir très rapidement aux zones offensives pour venir créer la première occasion, réelle occasion, parce que les lancers précédents n'étaient pas très dangereux. On avait sollicité les gardiens des deux côtés. Mais là, en tout cas, sur la première occasion, un super but du revers, voilà, avec Rouen. Ben, après, en plus, la pénalité. Hein, donc c'est vrai qu'il y a eu de... Dans ces 11 premières minutes, ou un petit peu, non, 9, si c'est ça. Oui. Il y a eu la partie pour Rouen, et puis le but, effectivement, marqué par les par Grenoble que l'on revoit. Voilà, il a attendu, et là, il met dans le vent celui qui avait pris un peu de risque à la bleue, Yeo. Et Vitaric est un peu gêné, mais Vitaric, même au départ de l'action, forcé pour que le joueur lance. Hein, il a quand même sa jambière très à cheval sur le côté gauche. Ah, il élimine quand même deux joueurs sur l'action. Oui, mais c'est, voilà, c'est sur le. On a perdu le palais trop rapidement après la sortie de zone et le petit risque, encore une fois, d'Yeo à la bleue. Et ça profite à Grenoble. Et derrière, on va prendre une pénalité. Et voilà, et pour l'instant, du côté rouennais, c'est plus compliqué. Donc, bien sûr, essayer de tuer cette pénalité, éviter de laisser Grenoble partir avec à la fin de cette période avec deux longueurs d'avance. Mais on en est loin. Voilà, il y a eu cette première occasion de but, et bien ça a été concrétisé. Maintenant il faut tenir, tuer la pénalité alors qu'on est toujours en train d'essayer de réparer le plexiglas. Ça comme vous le disiez temps, à juste titre, ça peut prendre du temps. Ouais. Surtout quand je vois l'escabeau utilisé, ouais, ça peut être long. Ouais. Et on pourrait avoir une blessure supplémentaire. Oui, puis c'est compliqué pour les joueurs aussi, hein, d'attendre comme ça. C'est pas, voilà, sur le rythme, ça casse un petit peu le rythme. Ah, surtout quand vous venez d'encaisser un but, on le ressasse peut-être un petit peu. Oui, et puis de souffler aussi, vous pouvez remettre la première ligne sur le bloc de supériorité. Bon, ce qui était déjà le cas. Hein. Ça avait été fait, le changement a été fait après une 34 de supériorité numérique pour Grenoble pour retrouver le premier bloc. Mais voilà, ça casse le rythme, la gestion est plus compliquée, même pour les gardiens. On le voit, Pintaric qui vient jusqu'au banc. Voilà, c'est Et là, on commence à sortir la perceuse. Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter que j'ai gardée, que je garde. Donc, voilà, je sais très bien que ça peut arriver, vous avez toujours ce type d'incident. Pour ce genre de moment. Oui, 26 secondes encore à tuer du côté des Dragons de Rouen. Et puis sur l'action qui a été stoppée, il allait avoir un engagement en zone offensive pour les Dragons de Rouen. Suite à un dégagement refusé. Ça y est, c'est bon. Voilà. Ouais, ça a été plutôt rapide, mine de rien. Ouais, c'est dommage, j'ai pas pu raconter mon histoire. Dommage. Un petit peu dommage. On a le temps, 7 matchs au maximum. Possible qu'elle sorte assez rapidement, cette histoire. Il y a une Ola déjà qui s'organise sur cette patinoire de Pôle Sud. Les amis, des irréductibles, on fait le tour jusqu'à la tribune K, L et M. Attention. Oh. Ah oui, parce qu'il y avait l'autre côté. La deuxième. Ouais, bon, bah alors là, il y avait l'autre côté à mettre. Ouais, finalement, vous avez peut-être le temps pour votre histoire, Stéphane. Oui, j'ai un petit doute quand même. Mais le. Eh bien, on a peut-être. Non, mais en plus, sincèrement, c'est dangereux.
Je plaisante, mais en termes de sécurité, les deux sont sur l'escabeau. Là, c'est quand même un escabeau en carton. Ce qui est rare, un escabeau en carton. Il n'y en a pas beaucoup. Le seul est à Pôle Sud, très ici. Rare, hein, oui. Et du coup, il a l'air de pire pour un escabeau en carton. Et là, quand je vois, c'est dommage. On pourrait voir un petit peu comment ils s'y prennent, mais c'est pas une bonne idée parce que normalement, avec un escabeau comme ça, faut pas monter sur la patinoire. Et on va parler tiens, des lauréats, puisqu'on a encore un petit peu de temps. Des oui. lauréats qui ont été décernés un petit peu plus tôt dans la journée avec le meilleur compteur. Ça, c'est pas une surprise, on le savait déjà. François Beauchemin, le meilleur joueur français, le trophée Albert Hassler, qui a été remis donc à Sacha Traé, que vous aurez eh bien, le plaisir peut-être d'entendre en interview lors de la fin du premier tiers-temps. Enfin, pas peut-être, certainement. Ça, oui, mais le plaisir sera peut-être là. Ça dépend dans quel camp vous êtes. Le meilleur gardien de but, c'est Julien Junca, qui avait été très bon cette saison, le gardien de Gap. Hein. L'équipe la plus fair-play Nice. Le meilleur espoir, c'est Dylan Fabre. Le meilleur entraîneur, Eric V. Le meilleur arbitre, Clément Goncalves. Et le meilleur arbitre espoir, Alexia Chéron. Voilà, vous savez tout. Et le jeu qui va pouvoir reprendre à Pôle Sud pour cette fin de supériorité numérique pour les brûleurs de loups. Cet engagement en zone offensive pour les Dragons. Alors, comme je disais, ils sont pleins, les gardiens. J'avais parlé tout à l'heure de Papillon. Le Junca, c'est assez logique qu'il ait ce titre. Il y a aussi Buys qui a fait encore une super saison. Oui. Et il y en a beaucoup encore à nommer. Buys qui vient de mettre un terme à sa carrière, d'ailleurs. Bon, je parlerai un peu des avants et des défenseurs aussi. Hein. Je veux pas... Oui, parce que vous êtes ancien gardien de l'équipe de France de hockey sur glace. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, et pas que commentateur pendant 20 ans de NHL, évidemment. Le hockey, ça vous connaît. Sacha Guimond, la passe par-dessus. Oui, le petit contrôle à mi-hauteur, c'est bien fait de la part de Boivin sur le côté gauche. Boivin qui cherche Mallet finalement. Ah, ça a été récupéré. Chaki Ashvili qui s'arrache. Guimond. Dans le coin. Guimond qui est chargé par l'unique buteur. Il va garder Pintaric. Oui, logique. Ah, il y avait Julien Munoz qui était arrivé pleine vitesse sur Mattia Pintaric à l'affût de la moindre petite erreur et finalement ce palais qui a été conservé et gelé par le portier des Dragons de Rouen. Allez, engagement en zone offensive pour les brûleurs de loups de Grenoble, Adel Coudry. Munoz avec Crinon qui va lancer. Oh, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de trafic. Et le tir qui a été arrêté sans rebond laissé par Mattia Pintaric. Ah, petit à petit, ils sont en train de prendre l'ascendant. On sent que ce but leur a fait énormément de bien aux brûleurs de loup. Et Roland Fignors, c'était Charlie Dodero qui a fait le boulon. Nettoyer les filets. Dodero cherche et trouve Roland Fignors. Attention avec Dair qui a tenté directement de rentrer ce palais depuis derrière le but. Et puis finalement, c'est arrêté par Pintaric qui a eu un coup qui a été donné à Flavien Dair. Ouais, avec la grosse charge de Dodero, d'où les protestations du public. C'est bien fait de la part de Pintaric, mais beaucoup d'erreurs défensives là, de la part de Rouen. Les palais perdus. On n'avait pas tout à fait perdu la mise au jeu, mais en tout cas, ça a été récupéré dans le deuxième temps par Grenoble. Et là, le tour de la cage. Et Pintaric qui est obligé de s'y reprendre à deux reprises avant de contrôler le palais. Allez, nouvel engagement en zone offensive pour les brûleurs de loups. Et c'est remporté une fois de plus par Nicolas Deschamps, Maxime Lamarche. Deux anciens joueurs des Dragons de Rouen. Fleury chargé par Enzo Cantagallo. Damien Fleury, le jeu qui peut continuer. Cantagallo. Oh, quelle intensité dans le coin de cette patinoire de Pôle Sud. Boivin par devant, cherche Mallet, le trouve face à Kyle Hardy. Mallet qui se retourne, il a oublié le palais. La passe à la bleue pour Eloriné qui conserve ce palais en zone offensive. Il est contraint de le rendre au brûleur de loup. Et c'est bien battu là de la part de Mallet avec le tir instantané de Dilanio. La déviation de François Beauchemin devant les filets de Stepanek. Et ce palais qui vient terminer sa course sur le montant. Un très bon lancer de Yeo, pas besoin de lancer très fort de la bleue. On a vu, il y avait un peu de trafic. La déviation et ce lancer en direction du gardien était pas loin de faire mouche. Ah, et c'est le montant finalement qui a été trouvé. Chakiashvili. La passe de l'autre côté avec Neza. En charge. Chakiashvili pour Eloriné. En 1 contre 1. Hors-jeu. Ouais, position de hors-jeu qui est signalée.
Ah, ils sont agressifs, la ligne bleue, hein, les brûleurs de loups de Grenoble, ouais, depuis le début de cette partie. Aux deux lignes bleues, c'est la différence sur le début de cette rencontre, hein, un peu plus d'une minute de jeu. Et en fait, solide à la ligne bleue offensive, ils ont été meilleurs sur l'échec avant et ils sont bien aussi à leur ligne bleue défensive. Même si Rouen réussit à sortir de sa zone défensive, ils sont bloqués à la bleue de Grenoble. Donc voilà, Grenoble a pris en tout cas un petit peu la main sur le match, au-delà du but marqué. En termes de contrôle de Palais, même si la mise au jeu est prise par les Rouennais. Tchakiashvili avec le Borgne, c'est récupéré par Rouyainen. 8 minutes et 32 secondes encore à faire avant la fin du premier tiers-temps de ce match numéro 1 des finales de la Synerglas League Magnus. Rouyainen, le Palais qui met en fond de territoire. Tchakiashvili, non, ce sera finalement Eloriné qui va se charger de récupérer ce Palais et de relancer l'accélération de Kalien Le Borgne face à Lucien Ono. Et finalement, ce Palais qui vient de quitter l'aire de jeu. Ah, la défense, c'est évidemment ce qui va être la clé. C'est ce qui est la clé en play-off, hein, généralement, la défense. Oui, oui, très clairement. On a vu que c'est ce qui manquait à Sergi sur le tour précédent face à Grenoble. On a vu la série encore une fois plus serrée entre Rouen et Angers. Et clairement, le système défensif, oui, c'est pas que la défense, c'est l'ensemble du système défensif qui compte. Hein. On a vu là, sur le dernier repli, les Grenoblois se repliaient rapidement, tous à l'image de Sacha Treille, et de travailler dans les deux sens. Hein. Il faut surtout arriver en play-off et encore plus en finale. Ouais, Guimon, attention à ce tir qui a été bloqué. L'accélération de Boukoula. Attention, Aubin. Ouais, le Palais qui est récupéré par personne, si ce n'est par Aubin. Le tir qui est arrêté par Pintaric. Ouais, il est parvenu alors qu'il était au milieu d'une forêt de joueurs de Rouennais à récupérer ce Palais et à lancer. Et puis Tessier a été chanceux parce que le Palais est collé à son patin, il fait un demi-tour, ça reste collé, ça aurait pu être récupéré par les Grenoblois. Un petit peu de chance là sur ce repli défensif et on revoit Pintaric qui conserve le Palais pour une nouvelle occasion en tout cas de Grenoble. Auden, l'engagement en zone offensive, c'est récupéré par Tessier et ça fait office de lancer là pour les brûleurs de loups. Il a mis de la conviction. Lampérier sur le côté gauche qui fait face à Lucien Ono. Lampérier pour lui-même en fond de territoire et finalement c'était avant la ligne médiane. Et voilà, on renvoie les joueurs sur le banc. Rouen, qui était en train de changer de ligne. Et bien suite à ce dégagement interdit, tout le monde retourne sur le banc et regarde les 5 joueurs qui étaient présents. Ah, et par contre, Grenoble peut changer. Presque. Et on retrouve le buteur sur la glace du côté grenoblois. Adel Koudri, effectivement, qui remporte cet engagement. La passe à la bleue pour Maxime Lamarche. Le tir lointain, ça manquait peut-être un peu de trafic. En tout cas, c'est un arrêt tranquille pour Mattia Pintaric. C'est une passe au bout. Non, mais là, pas de trafic. Le lancer balayé de la bleue qui est haut. De toute façon, il serait parti, je pense. Il serait passé, pardon, au-dessus du but de Pintaric. Enfin, on prend une mise au jeu en zone offensive. Changement de ligne encore pour les Grenoblois. Et la grosse ligne. Et aussi du côté. Par les Dragons. Rouennais. De Rouen, Bonchemin, Boivin, Mallet. Et l'engagement remporté par François Bonchemin face à deux joueurs de loup. Le jeu qui peut continuer, ça n'a pas été signalé. Sacha Treille, Mallet. Ouais, la passe à l'aveugle pour Boivin. Attention, il est extrêmement rapide. Oui, mais un contre deux. Et puis avec Lamarck et Arby face à lui. Et encore. Grosse haute et sans conséquence. Ouais, ça discute un petit peu, ça n'avait pas discuté beaucoup depuis le début du match. Ah, on peut dire que la finale est lancée, ça y est. Quelques mots échangés de part et d'autre. Pas certain que ce soit des mots d'amour. Et Lamarche, pardon, je viens de l'appeler Lamarque. Oh. Lamarche, oui, je suis désolé. J'ai écorché. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, étonnant la mise au jeu dans la zone neutre. Ah, peut-être parce qu'il était dévié. En zone neutre au moment du lancer, même si non, ça a été dévié. Dévié par le défenseur. Ouais. Donc, ouais. Ça devrait être en zone offensive quoi qu'il arrive. Ou c'est à partir de l'endroit où ça a été tiré. On posera la question à nos amis arbitres avec qui nous avons eu la chance de voyager. On pourra leur demander. Mais je pense, oui, pour moi, c'est mise au jeu en zone offensive pour Rouen. Boivin.
Le décalage pour Enzo Cantagallo. Ouais, il s'est jeté là-dessus, Kyle Hardy, pour permettre à sa formation de récupérer le palais. Une feinte pour Sacha Treille. La passe, oh, le tir instantané de Damien Fleury. C'est parti à toute vitesse. Il n'a pas cassé le plexiglas. C'est pas passé loin. Fleury, la passe pour Raymond. Quel missile! Et quelle action, surtout de la part des brûleurs de loups de Grenoble. C'était superbe. Ouais, et puis c'est bien, Sacha Treille a eu le temps d'aller changer là sur ce. Sur cette action, donc on avait un joueur de sang frais alors qu'on n'avait pas allé en zone offensive. Qu'est-ce que c'était bien fait entre Sacha Treille et Fleury. Allez, oh, attention encore, il y a beaucoup de palais perdus. Énorme tampon en zone neutre de Malais sur Dylan Fabre. Le jeu qui peut continuer. Oh, le poteau qui arrête Damien Fleury. Et là derrière Malais et Pierre Crinon, pas loin d'en jeter les gants. Oh, oh, oh. La finale est belle, ça chauffe, bien avancée, ça commence. Stéphane. On écoute l'arbitre. Damien Fleury qui appelait. Alors que l'on entend très clairement Damien Blic, l'arbitre, rappeler Damien Fleury également. Alors qu'est-ce qu'il va en être pour les pénalités? Parce que là, il y a eu une... Pour moi, il va le chercher, échange le coup de poing, l'autre ne répond pas. Est-ce que tu lui mets la 5-20? Ah oui, 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 si okay. Il va chercher, continue, 5-20. On est d'accord pour Crinon, 5-20, bagarre. Ensuite, est-ce que tu as autre chose à voir? Oui, le 10 de Grenoble, 5 minutes pour dureté, pour bagarre. Et le 10 bagarre, de l'autre côté oui. Aussi. 10 et 10, 5. Oui. Alors qu'on on écoute quand même les arbitres. 5, hein. 5, ouais, bagarre. Voilà, la discussion logique chacun, entre les 4 arbitres. Ouais. Yes. Jusqu'à 2 et 5. Pour moi, oui. Et Damien Blic et Pierre Dehaene qui s'appuient sur leur juge de ligne. Martin Ugolini et Nicolas Constantino. Mais là, ça va pleuvoir, les pénalités, très clairement. Oui. Oui, oui. Alors on va revoir ce qui s'est passé, il y a eu l'énorme charge à retardement de Malais en zone neutre sur Dylan Fabre. Le jeu qui a continué, Damien Fleury qui s'est procuré une situation. Pierre Crinon tout de suite à gauche, vous avez vu, qui est venu demander des comptes à Malais. Et donc il va prendre pénalité. Bon, il y a Malais qui va prendre pénalité parce que le bras de l'arbitre est élevé. C'est l'investigateur. Après, dans le coin, il y a les 2-10. Je leur demande d'arrêter. Ils donnent 2 minutes, donc c'est une 5 minutes sèche. Ils pourront rejouer après. D'accord ? Donc là, non, vous jouez à 5 contre 4. Vous jouez en supériorité pendant 5 minutes. Vous jouez en supériorité pendant 5 minutes. Ça marche ? Pourtant, la première charge... On estime que c'est qu'une 2, c'est pour ça qu'on a mis qu'une 2. On l'estime comme ça. Et ouais, après. C'est peut-être sûr. Non, parce qu'on part sur ouais, Crinon. Alors, c'est Crinon qui prend la grosse pénalité. Ouais, donc on aura, vous l'avez entendu, a priori, donc une supériorité de 5 contre 4, même s'il y a une pénalité du côté grenoblois, mais il y en a 2 du côté. Alors qu'est-ce qu'il en est? Non, j'ai un petit doute, en fait. Hop là, on renvoie en tout cas l'énorme occasion. Ouais, ça c'était bien joué. Entre Sacha Treille. La connexion bleu-blanc-rouge. Sacha Treille. Damien Fleury et Damien le tir. Fleury, oui. Et là donc pour le 5 minutes. On a deux joueurs sur le banc des pénalités pour Rouen. Et là du coup il va y avoir supériorité numérique majeure, on l'a entendu, pour les dragons de Rouen. Après eh bien, le coup plus bagarre de Pierre Crinon, c'est lui qui est chassé et qui va être puni sévèrement. Et ça vient annuler la pénalité qui était donnée de base, parce qu'il y avait une pénalité. Ouais, il y avait la première pénalité sur la charge et sur la bagarre. Et pourtant, c'est Crinon qui est allé chercher. Enfin, on va attendre le speaker. On va attendre la table de marque pour voir exactement. Parce que sincèrement, il y a deux, trois petites choses qui m'échappent, Charles. Ah, vous n'êtes pas le seul, parce qu'il y avait une pénalité, c'est vrai, qui était donnée. Dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas de 4 contre 4 pendant 2 minutes, on écoute. Au numéro 92 de Rouen, Alexandre Malais. Oui, logique. 5 minutes de pénalité pour bagarre. Au numéro 10 de Rouen,
Nicolas Lucetus et au numéro 10 de Grenoble, Daniel Fleury. Et pour le numéro 72 de Grenoble, Pierre Fénon, 2 minutes plus 5 minutes pour Magla, plus 2 minutes de méconduite pour le match. Pas pour le match, non, ça ne peut pas être 2 minutes pour le match. C'est pas possible, c'est 2 plus 5. Bon, là je sais pas, on verra, mais je... En tout cas, il y a une énorme chance pour les Dragons de Rouen d'égaliser et même pourquoi pas de prendre l'avantage. 5 minutes de supériorité numérique. Il vient prendre une méconduite, c'est-à-dire qu'il rentre, il est retour au vestiaire, Pierre Crinon, il n'est pas sur le banc. Retour au vestiaire, pénalité de match pour Pierre Crinon. Alors 20 minutes donc derrière, c'est oui, pas 2, c'est 20 et pas 2. 5 plus 20, on avait entendu les arbitres. 5 plus 20, voilà, c'est ça, mais la table a dit voilà, 5 voilà. plus 2, c'est 5 plus 20 là, d'accord. Et oui, on a eu la chance oui, d'entendre M. Blick. C'est l'instigateur. C'est ça, M. Blick qui a dit à travers le micro 5 plus 20 pour Pierre Crinon. En tout cas, c'est une vraie chance de pouvoir entendre les arbitres en direct et une vraie aide à la compréhension, même si voilà, on a eu un peu plus de mal parce qu'il y a beaucoup de pénalités. Mais ouais. Voilà, 5 plus 20. Pour Pierre Crinon. Et donc c'est un nouveau tournant dans ce match numéro 1 des finales. Oui, surtout qu'on vous le rappelle, avec 5 minutes de pénalité, pardon, Rouen, même s'il marque, il peut marquer les 5 buts. C'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, tant que la pénalité dure les 5 minutes, même si vous marquez des buts, vous récupérez pas, Grenoble ne récupérera pas son 5e joueur de champ. En tout cas, ils ont énormément de mal à s'installer, les Dragons de Rouen. Cette supériorité numérique dans cet environnement relativement hostile de Pôle Sud. Tessier sur le côté gauche, tentative d'installation pour les hommes de Fabrice Lenry. Relance Vigneurs avec Joris Bedin. Vigneurs, la passe derrière, ça arrive jusqu'à Sacha Guimon. Ils sont bien installés. Le décalage pour Boivin. Boivin qui remet à la pointe pour Sacha Guimon. Le décalage pour Kelsey Tessier qui remet jusqu'à Guimon. Le tir puissant, ça a été bloqué et dégagé par les Brûleurs de Loup. Le danger qui va pouvoir revenir. 2 minutes et 40 secondes encore à faire en supériorité numérique. Boivin, le décalage pour Roland Vigneurs. Il y a eu un contact avec Aurélien Der. Quelle intensité dans ce premier tiers-temps, ça promet pour le reste de la série. Bedin, la passe pour Boivin. 2 minutes et 27 secondes encore à faire. Guimon, le décalage pour Boivin. Attention, il est dos au but. La passe, bien joué. Mais attention, ça a été récupéré par Joris Bedin. Et derrière, un arrêt pour Stepanek. Et ils peuvent respirer ensuite avec ce palais renvoyé de l'autre côté. Ouais, déjà 2 minutes 50 de tué par Grenoble. Chakiachvili, la passe derrière lui pour Bastien Maya, ouais, qui s'infiltre en zone offensive. Deux joueurs, la passe sur le côté, finalement il a été stoppé. Lamperrier pour Chakiachvili. Le pressing de Dylan Fabre, efficace en supériorité numérique, mais aussi en infériorité numérique. Il en a marqué des buts dans cette disposition depuis le début de la saison. 1:49 encore à faire. La passe à la bleue, Chakiachvili, le décalage pour François Beauchemin. Oh oh, qui est passé à quelques centimètres de la lucarne droite de Stepanek. Et le palais ensuite renvoyé par les Brûleurs de Loup. Ah, ils ont une grosse chance là avec François Beauchemin. Ah, il a eu la même face à Angers lors du match numéro 5. Ça avait fini en pleine lucarne. Alors que son équipe était menée à 3 minutes de la fin. Et là, c'est autant qu'il ajuste la mire. Le meilleur pointeur de l'histoire de la Cine Glass League, Magnus en saison régulière. Vigneurs, la charge pour Maxime, sur Maxime Lamarche. Une 13 encore à faire. Le palais qui revient jusqu'à Kelsey Tessier. Le tir instantané et pas de rebond laissé par Stepanek. Applaudi par tout Pôle Sud. Ah, Stepanek qui fait le boulot. C'est important à ce moment-là pour le gardien de tenir la baraque. L'ensemble de l'équipe, bien sûr, mais on avait parlé de l'irrégularité de Stepanek depuis un moment. Et là, c'est important. Il y a 1-0 seulement pour Grenoble. Et lui, il permet de garder cette avance d'un but. Et il reste une 0-9 sur les 5 minutes de pénalité. Et Grenoble qui tient et qui défend plutôt bien, même s'il y a eu des occasions pour les Rouennais. Avec attention, ce palais qui n'a pas été dégagé. C'est récupéré par Guimon. Ils sont bien installés. Kelsey Tessier, Roland Vigneurs. Tessier passe à son coéquipier. Et ça fait but en supériorité numérique. À un peu plus de 2 minutes de la fin du premier tiers-temps, les Dragons de Rouen qui égalisent à un partout. Roland Vigneurs. Un jeu rapide de Rouen. La mise au jeu prise en zone offensive alors qu'on est en supériorité numérique. Et l'égalisation pour les Rouennais qui restent, on vous le rappelle, à 5 contre 4. Et voilà, on revoit la passe rapide, le lancer pour la déviation
et Stepanek qui s'incline. Ouais, là c'était extrêmement compliqué hein, pour Stepanek d'aller chercher ce panier au deuxième poteau. Et en tout cas, quel match on a. Déjà, il se passe énormément de choses dans ce premier tiers-temps. Et ce n'est que le match numéro 1 de ces finales. Le scénario, le déroulé s'annonce passionnant. Boivin, le décalage sur le côté, il reste en supériorité numérique évidemment. 33 secondes encore à faire, très peu de temps pour les Dragons. Tenter de prendre l'avantage avant la fin du premier tiers. Guimond, le tir de Guimond et il s'est fait gros devant ses filets. Jakub Stepanek et il peut geler ce palais. Ouais, c'est bien fait, on a attendu qu'il y ait du trafic devant Stepanek. Le lancer à la cage, pas de rebond pour Stepanek. Mise au jeu encore en zone offensive, toujours en supériorité numérique du côté rouennais pour 23 secondes. Allez, engagement en zone offensive, c'est récupéré par Joël Champagne et renvoyé de l'autre côté jusqu'à Mattia Pintaric. Chakiashvili. 10 secondes encore à faire en supériorité numérique. Chakiashvili, la passe, attention qui est manquée. Il y a Sacha Trey sur le côté. Trey qui cherche Joël Champagne. Tentative de remise jusqu'à Sacha Trey. C'était bien joué, mais c'est récupéré finalement par Mallet. Retour à 5 contre 5. Tandis qu'il reste 1 minute et 9 secondes avant la fin de ce premier tiers-temps. Le palais qui est récupéré finalement par Nicolas Deschamps. Damien Fleury, il y a de l'espace. 2 contre 2. Damien Fleury qui décide de lancer. C'est arrêté par Mattia Pintaric. Hardy, le jeu qui peut continuer. Encore un arrêt pour Pintaric. Ouais, tout de suite. Ils veulent remettre les choses au clair, les brûleurs de loup, après le retour à 5 contre 5. Ouais, voilà. Ah. Il va y avoir une nouvelle pénalité. Signalé à l'encontre des brûleurs de loup. La limite du surnom contre les Rouennais. On écoutera les arbitres au moment du coup de sifflet. Tiens, on va écouter. Monsieur Blick. Alors là, la pénalité a été distribuée par Pierre Dehaene. Ah oui. Donc on va se retrouver en zone défensive grenobloise. Charge incorrecte, vraisemblablement à l'encontre de Maxime Lamarche. Et donc 2 minutes à faire de supériorité numérique. Alors qu'il reste 33 secondes de jeu, 33,4 pour être très précis. S'ils ne parviennent pas à marquer avant la fin du premier tiers-temps, ils démarreront le deuxième en supériorité numérique. Là, on avait parlé d'un round d'observation en début de partie avec deux formations disciplinées et ça invite... vite changé. Encore à faire, le temps peut-être d'une dernière occasion. Guimond sur le côté avec Joris Bedin, il est pris sur le côté par Joël Champagne. Ils sont agressifs, les brûleurs de loup. Il termine sa mise en échec, Sacha Trey sur Roland Zwiniers. 5 secondes encore à faire et on va en rester là. Pas de prise de risque pour Sacha Guimond. Et c'est la fin du premier tiers-temps, décidément, il s'en passe des choses à Pôle Sud. C'est très indécis, un partout entre les brûleurs de loup et les dragons de Rouen. Oui, une belle première période, en tout cas avec des, voilà, une, on l'a dit à plusieurs voilà, reprises, Rouen qui avait bien commencé, après Grenoble qui avait l'ouverture du score, après il y a eu cet échauffouré, la série de pénalités avec 5 minutes d'infériorité numérique. Où Rouen a pu revenir en supériorité. C'est un moindre mal pour Grenoble hein, de prendre qu'un seul but, on vous le rappelle, sur 5 minutes où en fait, même si vous marquez, on ne récupère pas de joueur de champ. Et on a vu quand même Grenoble qui a réussi à se montrer dangereux sur la fin de la période, mais hélas en reprenant une nouvelle pénalité. Donc trop de pénalités pour les Grenoblois dans cette période, mais en tout cas une période plutôt agréable à regarder. Et on écoute tout de suite le tout nouveau vainqueur du trophée Albert Hassler, Sacha Trey. On se retrouve après pour un deuxième tiers-temps qui s'annonce très intéressant, lui aussi entre les brûleurs de loup et les dragons de Rouen. A tout à l'heure. Bonjour Sacha, tout d'abord bravo pour votre trophée Albert Hassler qui récompense le meilleur joueur français. J'imagine que c'est une fierté quand même. Oui, bien sûr, j'ai appris ça tout à l'heure par l'intermédiaire de Pierre Pousse. Donc oui, c'est une nouvelle que j'étais très content d'apprendre ça. C'est une fierté, mon papa l'avait eu en 1981, mon frère, je ne m'en rappelle plus, et puis le petit dernier, donc non, je suis content. À 35 ans, vous réalisez votre meilleure saison en termes de pointage, c'est quoi le secret ? C'est le travail, honnêtement. Plus je vieillis, plus je travaille et plus je rajeunis. Donc voilà, c'est un peu le mélange de tout ça.
pour revenir sur la finale. Vous avez eu quasiment 10 jours de repos. C'est beaucoup. Comment on s'occupe ? Eh ben, d'abord, on s'est reposé. On a eu des jours de congé, histoire juste de se reposer de cette série contre Sergi. Et après, c'était tout de suite se remettre au travail avec une petite difficulté, c'était de ne pas savoir notre adversaire. Donc on travaillait plus sur l'aspect individuel. Et dès qu'on a connu notre adversaire, on a travaillé plus l'aspect tactique. Et puis voilà, donc non, on a bien hâte que ça commence en tout cas. Ça ne doit pas être évident de rester concentré dans ces playoffs à l'approche de cette finale, d'avoir une grosse coupure. Est-ce que ça peut avoir un impact pour le début de cette finale ? Bien sûr, peut-être qu'ils sont plus dans le rythme, mais voilà, il n'y a pas d'excuses à avoir. Eux, ils doivent se dire qu'on a de la chance, on a pu se reposer. Donc non, on sait que de toute manière, là, c'est la finale, c'est le classico, c'est des matchs qui vont être remplis d'émotions, remplis d'intensité. Et je pense que tout le monde est content de voir cette affiche, et nous les premiers, parce que contre Rouen, c'est toujours des très beaux matchs. Justement, cet adversaire, vous le connaissez bien, les Dragons de Rouen, on peut s'attendre à un match particulier aussi pour vous ? Oui, bien sûr, j'ai connu un petit bout de chemin avec les Dragons, donc c'est toujours une équipe qui fait plaisir de rencontrer. Et puis voilà, on sait, comme je le disais avant, c'est des très gros matchs, et puis on sait qu'à la fin de cette série, il y en aura un qui remportera la Coupe, donc franchement, c'est juste génial de se retrouver encore une fois contre Rouen en finale. À l'approche de ce match numéro 1, est-ce qu'on peut s'attendre un petit peu d'observation ? C'est le premier match d'une série, mais c'est un match quand même important. Ouais, honnêtement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je pense que tout simplement, il va y avoir beaucoup d'intensité. Le fait qu'ils aient joué il y a moins longtemps que nous, peut-être qu'ils seront un peu plus en jambes au début. Et puis, on le sait, une finale, c'est un marathon. Donc, il va falloir être patient, limiter ses erreurs et travailler plus fort l'adversaire si on veut arriver à prendre ce premier match. Merci Sacha, bon match et bonne finale. Avec plaisir, merci à vous. Ma petite Sponso est la nouvelle application de cashback solidaire pour soutenir le sport amateur. Prenons Robin. Robin est un coureur aguerri et il est bénévole de l'USPEG Athlétisme à Marseille. Il aime son club et veut le soutenir. Pour cela, il télécharge Ma Petite Sponso, se crée un compte et sélectionne l'USPEG Athlétisme. En faisant ses achats sur les milliers de sites et dans les magasins partenaires, Robin reçoit un remboursement pour lui. Et un don sponsorisé du même montant est automatiquement adressé à son club de cœur. 150 000 clubs fédérés et plus de 15 000 partenaires sont déjà référencés sur la plateforme. Fais comme Robin et toi aussi, gagne à soutenir ton club de cœur. Rendez-vous sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application solidaire Ma Petite Sponso. Patrick Benesi, 7e dan d'aïkido, mon geste parfait, c'est l'esquive. Dans l'esprit des gens, c'est souvent une fuite. Là, ce n'est pas une fuite. C'est ce qui nous permet d'aborder une attaque sans avoir peur, avec une anticipation toujours dans le déplacement et d'avoir le déplacement juste au moment juste. La première chose, ça va être de laisser attaquer, de sortir légèrement de la ligne. Et je m'arrête, là pour l'instant, et ensuite de pivoter. S'il est mal fait, dans un combat réel, ça peut être la mort, quoi. Donc, puisqu'on peut prendre le couteau, on peut prendre un coup de sabre, on peut prendre un coup de bâton, on peut prendre un coup de poing, un coup de pied. C'est un geste complètement exigeant dans la posture, dans le timing, et dans la relation avec l'attaque.
Au début, on apprend les déplacements sol. Et on fait un pas et on pivote. Et puis après, on va le faire sur une action, en même temps que le partenaire. Et plus on va progresser, plus on va travailler non plus sur l'action, mais sur l'intention de l'action. C'est-à-dire que dès qu'on voit que le partenaire va attaquer, il faut commencer déjà à avoir cet esprit. Je fixe un point très loin et je vais échanger ce point avec ma jambe et avec mon bras. Avec l'entraînement, on s'est tellement entraîné à le faire seul, avoir le geste juste, le positionnement juste. En fait, on va tomber dans un système que moi j'appelle, qui est un peu paradoxal, l'automatisme conscient. Ça va être un automatisme dans le geste, dans la gestuelle, mais par contre c'est conscient. C'est-à-dire que je sais pourquoi je le fais et à quel moment je le fais. Plus on va pratiquer, plus on va développer la vision. Donc avec la vision, quand on a la vision, on a le moment juste. Et comme on a le geste juste par la répétition, l'esquive se fait naturellement. Moi, pour réaliser cela, ça m'a pris beaucoup de temps, évidemment. Alors, comme je m'entraînais tous les jours beaucoup, ça m'a pris peut-être moins de temps que quelqu'un qui va faire ça en amateur. Et peut-être que je suis encore perfectible, je pense. On avait un maître d'aïkido, qui est notre maître, qui s'appelle Yamaguchi-sensei, qui lui commençait tous ses stages comme ça. Il disait, à chaque fois que vous montez sur un tatami, vous devez voir la technique que vous connaissez avec un œil neuf et un cœur neuf, comme si c'était la première fois que vous la voyez. Et c'est ce qui vous permet justement de visualiser et de corriger systématiquement et de ne pas vivre sur des acquis. Ah oui, cette technique-là, je la connais. Non, regarde, il y a autre chose. Il faut vraiment avoir cette vision et dire, tiens, ah lui, il ne fait pas comme ça. Comment il a fait aujourd'hui? D'habitude, je fais comme ça. Pourquoi? Au moins, on essaye. Et c'est ça qui est intéressant, justement. C'est pour ça que c'est jamais terminé. Et ensuite, l'esquive, c'est-à-dire mon déplacement, va m'amener à être placé pour pouvoir faire une technique. Et suivant mon placement, je peux être sur le poignet, je peux être sur le coude, je peux être sur l'épaule. À ce moment-là, je ferai une technique différente. Quand il est là, à partir de là, j'ai mon déplacement. La technique. Après, je peux avoir une technique qui va beaucoup plus droit. J'arrive ici, donc j'aurai une autre technique. Pour réaliser un geste juste, il n'y a pas besoin d'avoir des qualités particulières, ni physiques ni mentales, puisque justement, on va combler les lacunes au fur et à mesure de la pratique. Et plus on va combler ces lacunes, plus le geste deviendra juste et précis. Cet environnement a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ici, j'ai appris l'humilité. C'est quelque chose que j'ai envie de transmettre à mes filles. Quand j'ai rencontré la MGEN pour la première fois, je me suis demandé comment un sportif allait promouvoir une mutuelle santé en conservant ses valeurs. Je me demande simplement d'être l'homme que je suis à travers cette simplicité, cette authenticité, cette ouverture au monde.
De retour en direct de la patinoire de Pôle Sud, nous sommes exactement 3 minutes et 10 secondes du début du deuxième tiers-temps. Stéphane, il s'en est passé des choses dans le premier acte. Il s'est passé énormément de choses, il y a un partout pour le moment. Mais on sent qu'il va encore se passer beaucoup de choses. Oui, il va s'en passer encore beaucoup. Une première période qui a été, voilà, que, comme on l'a dit au début, à l'avantage de Rouen. Et puis Grenoble qui a pris le pas en marquant le premier but. Et après, les pénalités Grenoble, et surtout la pénalité, hein, suite à la bagarre, hein, 5 minutes plus 2, comme le joueur était l'instigateur, et 20 minutes, oui. Donc pénalité pour le match. Donc ce qui veut dire qu'il pourrait jouer demain, sauf si le CIRJ, le comité de discipline, allait dans un sens différent. Oui, parce que c'est comme ça, quand on se bat et qu'on est l'instigateur, derrière il y a une sanction automatique. Exactement. Donc il y a eu 2 minutes aussi de l'autre côté, hein, suite à la charge qu'avait mis le joueur de Grenoble, mais à l'arrivée, le joueur de Rouen, pardon. Mais le décalage, les deux pénalités de 2 minutes s'annulent et le 5 minutes voilà, a pris le dessus. Prend le dessus. D'où la supériorité numérique de Grenoble pendant 5 de Rouen pardon, pendant 5 minutes, qui leur a permis d'égaliser. Tandis que vous avez revu le superbe bijou hein, de Adel Koudri en début de partie, un petit peu contre le cours du jeu. Derrière, ça a vraiment lancé les brûleurs de loups de Grenoble. Et puis derrière, la tentative de réaction avec ce lancer dévié, regardez, par Beauchemin sur le montant de Stepanek. Ouais, il y a eu des occasions. Un des petits soucis hein, de Rouen, en tout cas dans cette première période, c'est beaucoup de palais perdus dans la zone neutre. C'est vrai que Grenoble est bien positionné. Il y a eu beaucoup de palais récupérés, ou à la ligne bleue offensive ou à la ligne bleue défensive, mais Grenoble a fait la différence, en tout cas dans ce compartiment du jeu face aux Rouennais. Et on revoit l'instigateur, ouais. Pierre Crinon, qui ne rejouera pas ce soir, le défenseur des brûleurs de loups de Grenoble, mais comme vous l'avez souligné, qui pourrait être de retour dès demain. Et on revoit le but de Roland Zwiniers, le but égalisateur en fin de premier tiers-temps pour les Dragons de Rouen. Ils vont même démarrer ce deuxième tiers en supériorité. Oui, le but a été marqué en supériorité numérique alors qu'on le revoit sous un angle différent. Et il y a eu une nouvelle pénalité prise en fin de période à 34 secondes de la fin par Grenoble pour une charge incorrecte. Il y aura encore une 26 de supériorité numérique dans cette période pour les Rouennais. Donc. On va jeter un œil aux statistiques et au niveau des pénalités, forcément, c'est largement à l'avantage des brûleurs de loups de Grenoble. 34 minutes, dont 20 encore une fois hein, sur le 2x10 suite à la bagarre. Au niveau des lancers. Eh bien, légère avantage pour les brûleurs de loups de Grenoble. 10 lancers contre 7 pour les Dragons de Rouen. Et au niveau des engagements, c'est relativement serré aussi, Stéphane. Ah oui, Grenoble, une petite longueur d'avance. Hein. J'aurais pensé plus, moi, en termes de mise au jeu. Mais à l'arrivée, c'est 14-12. C'est assez équilibré. Grenoble est un peu devant quand même. Ils ont commencé à remporter des engagements en fin de premier tiers-temps. Les Dragons de Rouen qui vont donc démarrer ce deuxième acte en supériorité numérique. Et pour rappel, Monsieur Blick est équipé d'un micro. Et dès que ça se présentera, on entendra donc en direct l'arbitre principal de cette partie. Comme ça a été le cas lors du premier tiers-temps, Damien Blick. Allez, quel Cité-Sier face à Joël Champagne pour tenter de remporter ce premier engagement de ce deuxième tiers-temps. Et c'est remporté par les Dragons de Rouen à qui il reste 1 minute et 20 secondes à faire en supériorité numérique. L'incursion en zone offensive, la tentative d'installation, c'est chose faite. La passe pour Boivin. Boivin sur le côté droit, la remise à la pointe pour Guimond. Le tir sur réception de quel Cité-Sier. Oh, ça a été bloqué par Rouyainen. Bedin qui s'arrache. Trey aussi tenté de ressortir avec la possession. Palais qui va revenir jusqu'à Guimond. Guimond pour quel Cité-Sier. Sacha Guimond, le balancier. Et Boivin qui n'est pas parvenu à reprendre ce palais. Bedin, ils sont toujours en possession en zone offensive. Les Dragons de Rouen. Guimond, 47 secondes encore à faire. Avec Boivin, on se rapproche de plus en plus du but. Avec Roland Zwiniers qui a tenté de contourner. Le tir derrière, ça a été bloqué par Sacha Trey. Et derrière, les brûleurs de loups qui sont parvenus à dégager ce palais. Tandis qu'il reste 35 secondes à faire en supériorité numérique. Avec un banc qui est à l'avantage de la supériorité numérique. Collé en zone offensive. Pour les changements, c'est plus simple. Chaki Hachvili. À la bleue, le décalage pour Kelsey Tessier face à Sacha Trey. Tessier ouf. Avec attention, il n'a pas vu le départ de ce palais, Stepanek. C'est Lucenius qui s'est essayé, ça a été dévié, c'est passé à côté. Chakiashvili.
Tchakachvili, le tir du poignet. On a tenté la déviation de la part du capitaine Loïc Lamperrier. Il n'est pas parvenu à toucher ce palais. Et Stepanek qui a fait l'arrêt. Ils s'en sortent pour l'instant, les brûleurs de loup, sur ce désavantage numérique. C'était bien ce petit lancé, frappé court, hein, pas la peine encore une fois de mettre un monstre lancé. Il n'y avait pas assez de trafic, voilà, donc Stepanek va pouvoir récupérer le palais alors qu'on le renvoie la belle occasion de venir. Précédente et le bel arrêt de Stepanek. De Stepanek, merci Charles. Et Lauriné, la passe à la bleue. Et Lauriné, on a décidé de prononcer à la finlandaise son pays d'origine. Et Lauriné qui met en fond de territoire. Hardy avec Nicolas Deschamps. Oh, attention, Mattia Pintaric qui s'en sort. Le palais qui est tout de même récupéré par Nicolas Deschamps. La première incursion de ce deuxième tiers temps en zone offensive pour les brûleurs de loup. Le tir et c'est bloqué par Eloriné. Et le palais qui est sorti. La passe du revers jusqu'à Damien Fleury, l'ancien capitaine de l'équipe de France. Reste à savoir qui sera le prochain capitaine des Bleus. Tommy Perret, originaire de la région, qui porte les couleurs des Dragons de Rouen. Ce n'était pas le cas de son frère, qui joue les playoffs en République tchèque. Attention avec la passe de Beauchemin. Ouh, il a cherché Boivin qui réclamait une pénalité là-dessus. Il a pris un coup au niveau du poignet. Ouais, la marche qui coupe la passe, c'était bien fait, même si on n'était pas loin de la pénalité. Et pas les récupérer par Rouen en zone défensive. Quant à Gallo, avec Yeo, attention, ça a été intercepté par Apukula. Avec Cantagallo pour Boivin, cherche à mettre en ordre de marche Beauchemin. Apukula finalement qui est en possession avec Maxime Lamarche qui temporise tranquillement derrière les filets de son portier. Attention au changement côté rouennais. Maxime Lamarche pour Oden qui met ce palais en fond de zone. Oden, Lucenius qui est en possession, le Finlandais. Le décalage de Vincent Neza pour Sacha Guimond. À la lutte avec Pukula. De grands gabarits face à face. Le voici, Pukula, qui vient trouver Ruihainen. Derrière les filets, Ruihainen, la passe à l'aveugle pour la marche, c'est bien fait. Ils s'organisent, les brûleurs de loup, avec Auden. De l'autre côté, que c'est bien joué, le lancer est derrière l'arrêt de la plaque de Mattia Pintaric. C'est la plus grosse occasion de ce deuxième tiers-temps, c'est pas terminé. Les brûleurs de loup qui mettent la pression. Il y a eu un coup qui a été donné derrière les filets. Et on proteste du côté de Pôle Sud. Neza. Il va jouer derrière, mais la passe est ratée. Attention, Raymond s'est accroché. Raymond. Là, il y a 2 minutes. Et le jeu qui peut continuer. Est. Le bras élevé. Ouais, logique. Pierre Bay qui va donner une pénalité à Vincent Neza. Il proteste Vincent Neza. Oh, attention, tandis que il y a un joueur qui rentre directement au vestiaire, c'est Aubin qui avait pris un coup au niveau de la tête derrière les filets de Mattia Pintaric. Et on va revoir ce qui s'est passé. Alors là, ouais, accroché, il prend la crosse, oui, c'est. Ouais. Ouais, mais il l'empêche de. Alors on va revoir surtout le coup de coude au visage de Donnero. La charge est haute, la charge est haute. Alors peut-être qu'on vient compenser cette charge qui a été oubliée parce que là, il y avait vraiment un coup de coude au visage. On va revoir de cet angle-là. Ouais. Ouais, les bras sont hauts. Les bras sont hauts, mais c'est vrai qu'il y a une différence de gabarit entre les deux joueurs. Ah, il était baissé aussi. Oui, oui, oui. Le joueur des brûleurs de loup de Grenoble. On va dire qu'ils s'en sortent bien quand même. Attention avec Sacha Frey qui a cherché la lucarne extérieure. Sacha Trey s'est passé juste à côté. Oui, logiquement du côté de la mitaine. Pintaric a tendance à laisser quand même plus ouvert du côté gauche et fermé beaucoup du côté de sa plaque, donc est un peu décalé. Il tente de s'installer en zone offensive, les brûleurs de loup de Grenoble. Aubin avec Trey. Il part entre au vestiaire très longtemps, en tout cas Aubin qui est dans le couloir. Ah non, il n'y arrive pas Aubin, il est rentré sur le banc en faisant un signe de la tête comme quoi ça n'allait pas peut-être une commotion pour lui. Oh, c'est arrêté par Pintaric, il y avait beaucoup de monde devant lui. On va suivre l'évolution de Aubin qui a pris un coup au visage. Mais ça revient vite en tout cas pour Grenoble en zone offensive, le palais dévié par le patin. Aurélien Der qui trouve Damien Fleury, Fleury qui cherche entre les jambes. C'est récupéré par Sacha Trey, les brûleurs de loup qui reprennent les devants dans ce match numéro 1 des finales de la Ligue Magnus, 2 buts 1.
Sacha Trail en supériorité numérique. Grenoble qui profite bien de cette supériorité numérique pour reprendre l'avantage. Ouais, le palais qui est dévié par le patin un peu avant l'enterrement, mais ça repart à la bleue. La passe aussi qui est déviée avant. Fleury qui fait un premier lancer, le rebond de Pintaric. Pintaric qui est emmené un petit peu par un de ses joueurs. Et là, la cage est toute ouverte pour Sacha Trail. On va le revoir sur cette caméra placée derrière le but. Et voilà, là, il est, hélas, pour Pintaric, voilà, il est gêné par son propre joueur. Et encore une fois, Damien Fleury, suite au lancer de Damien Fleury, eh bien Sacha Trail. Est-ce que vous pensez qu'il a fait exprès de lancer bas pour un rebond, Damien Fleury, sur cette occasion, sur ce lancer? On va me demander si je pense, jamais. Bon, généralement, si vous avez une autre question, je crois, plus simple. Mais me demander de penser maintenant. Non, je pense qu'il a attendu justement. Il a essayé de lui mettre au-dessus de la jambière. C'est vrai qu'il était en train de glisser, Pintaric. Je pense qu'il voilà, il lançait pour marquer. C'est vrai que j'aurais pu poser une meilleure question parce que généralement, quand Fleury lance, c'est pour marquer. Oui, mais non, mais vous avez raison. Ce serait un bon choix de lancer pour le. Mais je pense là qu'il a essayé de, voilà, de marquer. On lui demandera. Allez, ouais, sur le côté gauche. Oh, il est passé. Que c'est bien fait. Lancer à la cage. Derrière, c'est récupéré par Damien Fleury. Ouf. Deschamps qui a tenté de tout emporter sur son passage, en tout cas quelle intensité. Guimond, la passe puissante pour Boivin, c'est récupéré par Dylan Fab. Le décalage de Dylan Fab pour Damien Fleury. Damien Fleury, que c'est bien défendu de la part de Guimond. Et ça longue allonge malgré sa petite crosse. Ouais, bon puck check. Boivin, c'est récupéré par Damien Fleury. La sortie de Pintaric qui vient trouver Sacha Guimond. Le palais qui est envoyé à gauche sur Boivin avec Elsie Tessier. Hors-jeu différé et hors-jeu sifflé. C'est celle qui va chercher son portable maintenant dans sa poche pour voir s'il l'a perdu en fait. C'est celle-ci la personne. Et là il va y avoir 10 personnes qui vont se planter. Non. Oh, on revoit la gamelle de Pintaric un peu plus tôt. Oui, ça énerve toujours. Hein. Il est après à regarder sa jambière un petit peu partout, mais voilà, on n'aime pas trop chuter comme ça en allant chercher le palais derrière la cage. Petit oubli de la part de Lucien Audeau qui a tardé à rejoindre ses coéquipiers. Ils évoluaient à 4, hein, les brûleurs de loups. Et palais qui est mis en fond de territoire. Stepanek qui n'est pas parvenu à intercepter Kelsey Tessier avec le tir puissant de Yeo. Face à toucher le gant d'attrape de Stepanek. La mitaine n'est pas parvenu à conserver le palais dedans. Der, avec la déviation en une touche pour Howden. C'est récupéré par Cantagallo. Vigneurs, tentative de 1-2, que c'est violent. Alain Perrier qui a eu un sourire. Hein, ouais, qui a été accroché par Der alors qu'il n'est plus le palais. Oui. Ouais, on ne se fait pas de cadeau de part et d'autre là. Quelle agressivité sur la glace. Il ouais, n'y a pas de voyage à vide, pas de. Mais logique. On l'a vu sur la première période. Il faut prendre des décisions rapidement, ce qui est souvent le cas quand on est en possession du palais. Et quand on tergiverse, on prend une bonne boîte ou un bon petit coup. Oh, et oui, regardez, Stepanek qui a pris un coup peut-être. En tout cas, il semble gêné. Le gardien Jakub Stepanek, il rentre au banc. Alors c'est peut-être un problème d'équipement. Espérons pour lui. En tout cas, il a l'air gêné. Ah oui, alors sur la jambière. Ou de la jambière. Plus spécialiste. C'est la jambière. On va resserrer le. Alors, ce qui tient la lanière en fait, oui, c'est la partie sur la jambière qui tient la lanière, la boucle. La fameuse boucle des bottes. La boucle. Bon, ben, c'est pas ça qui l'a empêché d'attraper le palais de la mitaine. Oui. Il y a eu une petite erreur de gant. Il l'a vu après parce qu'il a essayé d'appuyer un peu sa mitaine, de la remettre en poussant sur sa jambière. Elle est mise au jour de l'offensive pour les Rouennais. Oui, les uns qui remportent cet engagement. Poukoula qui s'est arraché avec Howden. Le décalage pour Aurélien Der. Derrière lui, Howden, Quinton Howden. Attention au palais qui traîne, qui est retombé derrière les filets de Mattia Pintaric. Du revers, Chakiashvili. L'incursion de Elorine. Flavien Der. Oh, attention à la passe. Ça a manqué de couverture.
Neza qui travaille fort là derrière les filets de Stepanek face à Der qui est au titre de sa charge. Der sur le côté et Loriné s'est récupéré et dégagé. Il n'y aura pas de dégagement interdit par Lucien Ono. Un pile ce qu'il fallait au niveau du dosage pour éviter le dégagement refusé. Et Loriné sur, ouais, sur le côté, le palais qui arrive jusqu'à Lucenius, la passe dans les patins de Kalien Le Borgne. Ah, ces petites erreurs dans la zone neutre qui continuent du côté rouennais, hein, les palais récupérés par les Grenoblois et le compte tout de suite avec une occasion. Flavien Der, le frère de Aurélien, les deux jouent sur la glace ce soir. Et l'enchaînement qui est manqué. Munoz, palais récupéré par. Non, il était ressorti. Ouais, il y a encore la main levée sur le hors-jeu. Ça y est, c'est annulé. Guimond. Qui temporise tranquillement Sacha Guimond, la passe pour Eloriné, l'autre défenseur qui remet jusqu'à Sacha Guimond. Ouais, la passe pour Tommy Perret qui accélère sur le côté gauche. Tommy Perret, la passe pour Joris Benin qui parvient à lancer, c'est passé juste à côté. Défilé de Jakub Stepanek, c'est dur d'avoir des lancers dans ce deuxième tiers-temps. Défense qui se resserre, Rouyainen avec Trey. Oui, qui a voulu passer par la balustrade mais ça a heurté le... Le dos de Treille. Oui, Aïden avec Hardy. Ouais, rebond favorable. Sorti de la zone offensive. Dodero. La longue passe de l'autre côté pour Boivin. Le 1 contre 1 face à Hardy. La passe pour Beauchemin. Il a tenté de retrouver Boivin. Échappé. Et derrière, attention à Der. Oh, le tir, quel arrêt. Quel arrêt de la part de Mattia Pintaric. Oh, qui s'est imposé dans ce face-à-face. Face à Aurélien Der. Ah, Hardy. La grande passe qui arrive jusqu'à l'île bleue opposée et là, oh, elle est directement dans le gant. Ah, il s'est baissé au dernier oui, moment. Directement dans le gant, oui. On va le voir encore mieux sur cette caméra placée derrière la cage. Hop. Voilà, il est là, hop, directement dans le gant. Il a manqué son face-à-face Aurélien Der là-dessus. Attention à ses chances en or. Le gardien sait qu'il va lancer, sauf si vraiment il. Voilà, après c'est le stade au-dessus, c'est de faire une feinte. Mais quand le palais est sur le côté, vous savez que le joueur va lancer. S'il est devant lui, c'est qu'il va dribbler. Ah oui. Pintaric était un peu du bonheur là, c'était sans rien retirer à son arrêt. Puis il a de l'expérience là-dessus, attention à Malé. Ils sont en train de prendre le dessus là, les dragons de Rouen petit à petit. Avec le tir lointain, Beauchemin qui n'est pas parvenu à se saisir de ce palais, il est parvenu cette fois-ci à le dévier. Boivin qui cherche Beauchemin, les deux compères qui comptabilisent 150 points à eux deux en saison régulière. Ils ont été intenables. Boivin et Beauchemin. Chemin qui tente d'anticiper, il va être un peu court, attention à Damien Fleury qui accélère, Damien Fleury qui tente entre les jambes de Sacha Guimond, il est tombé sur un sacré client, Vigneurs, tandis qu'on approche tranquillement mais sûrement de la mi-match. Vigneurs, la passe pour Guimond derrière les filets de Pintaric, auteur d'un arrêt importantissime il y a quelques instants. Quel site essier en fond de territoire, cherche Roland Vigneurs, c'est Lucien Renault qui va être le premier, pas de voyage à vide, la charge de Vigneurs. Dodero face à Pukula, à qui s'en sort, il a été solide le finlandais. Ono, la longue passe, on cherche Oden, il n'a pas touché ce palais, il dit que oui, en tout cas ce sera un dégagement refusé. Ouais, on sent deux formations plus disciplinées déjà dans ce deuxième tiers. Oui, vous avez raison de le souligner, hein, même là sur le dégagement interdit, on aurait pu protester un petit peu du côté grenoblois, on reste concentré, on revient tranquillement dans la zone défensive. Ça sert à rien, de toute façon c'est sifflé et c'est vrai que c'est important. Voilà, on a vu ce qui s'est passé dans la première période. Il faut éviter les pénalités stupides. Oden face à Kelsey Tessier, Clinton Oden, qui a son frère Brett, qui joue en NHL du côté des Golden Knights de Las Vegas. Lui-même a un petit CV NHL quand même, pas loin de 100 matchs. Oui, c'est plutôt petit pas gros. Mal. Aubin, avec Cantagallo, avec autorité sur le côté, le jeune... Français Enzo Cantagallo. C'est pas le plus grand, mais il est robuste. Attention à la charge de Kelsey Tessier face à un Pukula qui est en déséquilibre. Et attention, coup de sifflet de l'arbitre, il va y avoir une pénalité. Nouvelle supériorité numérique pour Grenoble, la deuxième dans cette période. Projection, 2 minutes pour chacun. Là, tu vas. Ah, 2 minutes de chaque côté. Ah, il y a projection, alors le joueur a dû se laisser un peu. Pousser quand même et accentuer la charge du Rouennais. On va revoir cela. Alors, il est en déséquilibre une première fois, pour que là, il y a Tessier qui arrive. Oui.
Ouais. Oui, il y a une de chaque côté. Allez, oui, c'est plutôt bien de. Voilà. Oui. Oui. Allez, sage décision, 2 minutes de chaque côté. On va jouer à 4 contre 4 pour la première fois dans ce match. Plus d'espace, donc, à venir. Et forcément, d'un côté, on décide de mettre Boivin, Beauchemin, qui se connaissent par cœur. Ils ont déjà joué ensemble hein, avant de jouer pour les Dragons de Rouen. Et Champagne pour la mise au jeu directement pour Hardy. Hardy, le décalage sur le côté. Maxime Lamarche. Lamarche pressé par Boivin. Le palais qui est mis en fond de territoire. Guimond. Le palais qui revient jusqu'à Hardy. Le lancer qui est arrêté par Pintaric. Avec Champagne. La passe pour Sacha Trey. Ils sont en possession du palais, les Grenoblois, en zone offensive dans ce 4 contre 4. Sacha Trey, le tir instantané. Et ça a été légèrement dévié, c'est passé à côté. La passe pour Champagne. À la bleue, ça revient jusqu'à Lamarche. Lamarche qui défait Boivin, c'est bien fait. Maxime Lamarche, le tir puissant, c'est arrêté. Attention, le palais qui traîne. C'est arrêté par Pintaric. Attention, ça sent le chaos. Finalement, les arbitres qui viennent mettre fin à cette séquence. Pintaric est au sol, un joueur lui est tombé dessus. Il y a des odeurs de chaos, Stéphane. Ah oui, on est allé à la cage, un très très bon jeu de Lamarche à la bleue qui prend le meilleur sur son vis-à-vis, qui peut aller à la cage, un premier lancé, du trafic devant Pintaric. Et après encore un nouveau lancé. Allez, on revoit tout ça au ralenti. Le premier lancé qui est dévié en fait, perdu de vue par un peu de monde. Et là voilà, il y a le lancé de la part de Sacha Trey et derrière. Alors qu'est-ce qui pousse, il n'y aura pas de pénalité de toute façon. Voilà, là on voit Sacha Trey qui voit le palais et il y aura le lancer. Ouf, il se jette un peu facilement le joueur de Grenoble sur Pintaric, mais pas de pénalité, et heureusement. Ouais, attention de ne pas tomber dans le piège aussi. Hein. Il n'y a pas de hors-jeu, c'est limite. Allez, ce palais qui est récupéré par Fleury avec Nicolas Deschamps. La passe interceptée, le retour de Dylan Yeo. Pour venir gêner Deschamps. Ah, c'est bien joué sur le 2 contre 1, la passe coupée. Fleury, Rouyainen avec Raymond. La passe du revers pour gérer Rouyainen. 54 secondes encore à faire à 4 contre 4. Nicolas Deschamps qui tente de lancer, ça a été bloqué par Dodero. Deschamps. Oh, petite passe levée. De l'autre côté, ça va être récupéré par Raymond. Raymond ouais, qui se retourne, temporise tranquillement en possession du palais. Le décalage pour Adel Koudri. Le premier buteur des brûleurs de l'eau. Adel Koudri, la passe pour Maxime Lamarche. Attention, il y a de l'espace. La feinte ouais, enchaînée. Bien défendu, oui. Oui, il ne pouvait pas lancer de toute façon. Donc c'était bien de choisir d'aller dans le coin. Fleury. Et Fleury qui déclenche. Il a cherché la lucarne côté plaque. C'est arrêté par Pintaric. Ah, il domine hein, ce 4 contre 4, les brûleurs de loup, et ils poussent. Ils veulent marquer ce but du break avec le tir de Maxime Lamarche. C'est arrêté, le jeu qui peut continuer. Kyle Hardy. Hardy, la passe derrière pour Maxime Lamarche. Balancier ! Le missile de Maxime Lamarche qui est trouvé par Kyle Hardy. On le sentait venir, ce troisième but des brûleurs de loup. Le break qui est fait, 3 buts 1. Maxime Lamarche. Qui vient jouer un mauvais tour à son ancienne formation. Ouais, sur toute sa présence, sur la dernière présence où il était, là, vraiment un super boulot de toute façon depuis le début jusqu'à concrétiser par un lancer et marquer le but. Des bons choix hein, sur tous les choix qu'il a fait depuis 30-40 secondes. La passe de Hardy pour Lamarche. Voilà. Oh oui, là et c'est là, parti fort. Ça part fort, puis il y a du trafic. Et Pintaric, voilà, qui est gêné par ses propres joueurs. On va le voir peut-être sur ce plan de derrière la cage, il y a Koudri aussi qui est présent. Qu'est-ce qui le gêne? Koudri, il y en a deux. De toute façon, il a un but, on en met à deux joueurs. Oui, surtout Koudri, mais il y a aussi gêné sur la vision côté gauche par son défenseur. Et là, deux longueurs d'avance, le break qui est fait pour les Grenoblois. Il n'y a pas photo sur ce 4 contre 4 qui a été dominé du casque et des patins. C'est rien de le dire. Par les brûleurs de loup de Grenoble, à voir s'ils vont avoir les ressources pour réagir. Les Dragons avec le missile. La réponse de Florian Chakiashvili qui a été arrêté par Stepanek. Mais alors que l'on a passé le demi-match depuis un peu plus de 2 minutes 30. Que l'on a là. C'est facile à dire, c'est pourtant pas compliqué. Hein. Deux buts, 7 passes, 9 points au total pour Chakiashvili. Ouais, les yeux un peu inquiets, décidément j'ai du mal de Fabrice Lhenry, logique. Parce que là, au-delà des buts encaissés hein, par Rouen, c'est vrai que Grenoble a vraiment la crosse sur le palais.
mais surtout les duels, encore une fois, gagnés dans la zone neutre. Enfin, il y a beaucoup de duels remportés par les Grenoblois. Long de la balustrade aussi, en plus de ce qui est récupéré, encore une fois, dans la zone neutre. Oh, puis les risques encore. C'est la deuxième fois. Hein. Ah, Yeo. Yeo, ça fait... Enfin, il va peut-être en entendre parler ce coup-ci. Yeo. Avec Le Borgne, l'incursion en zone offensive, il y a Perret qui est avec lui, il lance, c'est arrêté par Stepanek, attention, Perret derrière les filets, c'est récupéré par Lamarche face à deux joueurs, Lamarche, le dernier buteur de cette rencontre, Maxime Lamarche, qui avait été très bon en finale, on se rappelle la saison dernière face au Duc d'Angers. Palais qui est récupéré, Joris Bedin, Nicolas Deschamps, Dylan Fabre. Pour Nicolas Deschamps qui vient trouver Damien Fleury, le contrôle du patin de Ono, essayé au finalement qui sera le premier malgré l'effort de Ono qui vient grappiller un palais en zone offensive, c'est bien joué. Ah, il remporte les duels là, les brûleurs de loups, attention, Damien Fleury gêné par Enzo Cantagallo. Ils étaient en possession en zone défensive, ils se retrouvent en difficulté, les Dragons. Et beaucoup de vitesse hein, sur la sortie de zone des Grenoblois, rentre en position du palais en zone offensive, et Hardy pour lancer à côté de la cage, attention. Et Hardy qui vient chercher son propre rebond, et ça c'est pas normal. Et si Calhardy s'y met aussi, attention, l'addition peut-être lourde. Aubin qui s'est retrouvé absolument seul dans une position idéale. Et l'arrêt important de Mattia Pintaric, attention, ça sent le chaos. Ils sont en train de pousser les brûleurs de loups, Ruijainen qui temporise, attention, on est acculé devant les filets de Pintaric là. Que c'est dur de défendre du côté des Dragons. Perret qui tente de dégager, qui n'y parvient pas. Hardy, le tir sur réception, il temporise finalement Ruijainen. Ruijainen, la passe pour Hardy, le tir, c'est bloqué. Et là, oui, ça va être difficile de se relever, mais il y parvient, Perret. Et puis là, les Grenoblois qui ont réussi à changer trois joueurs, hein, qui étaient en zone offensive. Le banc est du bon côté en deuxième période, et c'est compliqué parce que pour les Rouennais, pour aller changer, là, c'est une présence, il y a certains joueurs qui sont là depuis plus de 2 minutes. Hein. Quelle est dure cette deuxième période. Attention, Ruijainen qui tente de lancer en lucarne. C'est arrêté par Pintaric qui vient de mettre fin à une séquence bleu, blanc, rouge. Une séquence brûleur de loup très intense. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment solide hein, les Grenoblois. Impressionnant depuis et même avant leur troisième but. Impressionnant dans cette deuxième période après avoir tué la pénalité. Deux pénalités, deux supériorités numériques après pour les Grenoblois qui sont venus faire la différence. Et vraiment beaucoup plus de vitesse. Et on sent les Rouennais un peu empruntés. C'est le cas de le dire. Et derrière, en plus, il continue de remporter les engagements. Plus est en zone offensive pour continuer de mettre la pression. Et Pintaric a du boulot. Et il y a eu deux beaux arrêts de Pintaric hein, parce que 5-1, ça ne serait pas volé non plus. Dont la dernière reprise de volée. Ah oui, de Aubin qui était vraiment bien placé. Ouais. Et avant cela, il y avait aussi le face-à-face de Reynierder. Attention, ce palais qui traîne. Dylan Fabre. Oui, c'est Flaviander, pardon, qui s'est jeté. Flaviander. Face à Dodero. La passe au deuxième poteau. Attention, il est monté très haut, Maxime Lamarche. Bonne couverture. Il y a une pénalité différée. Encore contre les Rouennais. Il y a eu la sortie de Stepanek, 6 joueurs de champ pour les Grenoblois. Ils sont en train de vivre un cauchemar. Les hommes de Fabrice Lhenry vont se retrouver en infériorité numérique. Pour l'instant, c'est différé. Maxime Lamarche, le décalage pour Raymond. La passe, on a tenté de dévier. Oh, le tir qui passe juste à côté de Adel Koudri. L'énorme occasion alors que le but semblait vide. Pour les brûleurs de loups, on a frôlé le quatrième but de la formation à domicile. Et c'est Dodero qui va être chassé. Ça fait beaucoup en pénalité là contre les Rouennais. Déjà en difficulté avec 2 buts de retard. Et Dodero qui prend ses 2 minutes de pénalité. Ah, puis là ça passe à côté. Allez, mise au jeu encore prise par les Grenoblois. C'est même bien si... renvoyé. Ouais, là, ça va être très important pour les Dragons de tuer cette pénalité. Surtout, après, il restera, selon le but, si les Grenoblois marquaient sur cette supériorité, avec 3 longueurs d'avance, ça serait compliqué pour les Rouennais. Ruijainen, le décalage sur le côté, que c'est bien fait. On sent vraiment qu'ils ont l'emprise sur cette partie. Les hommes de Jerky Ao, le lancer de Sacha Trey, déjà buteur dans cette rencontre.
mec a forcé, il y avait une solution peut-être dans le slot. Il faut qu'il nous dise quand même où est-ce qu'il a trouvé la fontaine de Jouvence. Sacha Trey à 35 ans, qui connaît une saison fantastique et qui va avoir son importance, on le sait, en équipe de France lors des prochains championnats du monde. Champagne, la passe pour Aurélien Dair, peut-être en tant que capitaine d'ailleurs, peut-être. La passe pour Hardy, le décalage instantané pour Aurélien Dair, le tir qui est arrêté. Oh, que c'est bien dégagé parce que là, il y avait Aubin qui était présent en embuscade. Hardy, Trey, la passe pour Kyle Hardy, cherche Damien Fleury. On les voit beaucoup, Damien Fleury et Sacha Trey dans cette partie. Hardy, le décalage pour Nicolas Deschamps qui a de l'espace. La remise pour Damien Fleury. On tente la passe supplémentaire tandis qu'il reste 35 secondes encore à faire. Le tir sur réception. Ça a touché l'extérieur du filet, ça a caressé le montant de Mattia Pintaric. Attention avec le tir de Pukula, il a commencé à lever les bras. Ça sent le chaos dans cette fin de deuxième tiers-temps. Il pousse les brûleurs de loup, ça devient irrespirable. Fleury, le tir, c'est bloqué par Cantagallo. La passe bloquée elle aussi. Et derrière, c'est dégagé, renvoyé de l'autre côté. Ils en avaient besoin, les Dragons. Ah oui, très clairement. Et pour pouvoir changer de ligne défensive aussi. Parce qu'encore une fois, Grenoble est du bon côté quand ils sont en plus en supériorité numérique. Ils campent dans la zone des Rouennais. Et on a vu encore deux belles occasions pour les Grenoblois. Alors que on approche de la fin de pénalité. Bon, attention Nicolas Deschamps, le lancer derrière de Damien Fleury. Énormément de trafic devant les buts de Mattia Pintaric. On se demande comment il fait pour s'en sortir depuis quelques secondes. Que c'est compliqué. Boivin, la passe pour Dodero, le défenseur qui est monté. Lui qui est de retour sur la glace, Charlie Dodero. Il a purgé sa peine. Yeo, retour à 5 contre 5. Retour aux affaires pour Beauchemin et consort. Présent sur la glace avec Mallet. Beauchemin, c'est récupéré par Maxime Lamarche. Oden, Lamarche, le lancer lointain de Yeo. Beauchemin qui cherchait la déviation. On essaie vraiment de le trouver à la déviation, hein, François Beauchemin, dans cette partie. On le voit beaucoup présent devant les filets de Stepanek. Attention à la passe de la part de Pintaric qui est quand même arrivé à destination. Mais encore une fois, c'est récupéré au plus tard à la ligne bleue défensive des Grenoblois qui repartent de l'avant. C'est une petite erreur de contrôle du palais. Oh, la passe entre les jambes de Beauchemin avec le tir en haut du corps de la part de Boivin. Vigneurs. Un bon arrêt pour Stepanek, hein, qui après a fait un bon petit peu de check, sinon le joueur pouvait recouper devant lui. Oui, parce qu'il y a faire l'arrêt et comment gérer le rebond derrière. Tandis qu'on est rentré dans la dernière minute de ce deuxième tiers-temps. Le tir haut, très haut de Sacha Guimon. Bah, c'est largement au-dessus des filets de Stepanek avec Roland Vigneurs. Roland Vigneurs qui est pris par Maxime Lamarche. Ouais, il tente de réduire l'écart, les Dragons, dans cette fin de période. Guimon, le lancer, ça a été bloqué par Maxime Lamarche. 35 secondes encore à faire. Lamperrier, avec quel si Tessier. Tessier, Roland Vigneurs qui se retourne. Il a une solution à la bleue, il a tenté la feinte. Et finalement, Munoz, qui a bien défendu, peut renvoyer de l'autre côté. Sauf qu'ils ne sont pas en infériorité numérique et que ce sera un dégagement refusé. Oui, on gardera les mêmes joueurs encore une fois. Du côté grenoblois, changement de ligne logique du côté des Rouennais pour essayer de prendre cette dernière mise au jeu. Essayer de revenir à une longueur. Il reste du temps au Dragon de Rouen. 22 secondes à faire avant la fin de ce tiers-temps. Oh, il a jailli là-dessus. Ouais, Flavien Dair, c'est bien fait. Flavien Dair, le décalage pour Julien Munoz qui ne prend aucun risque et qui met Spallet en fond de zone. Il y a un jeu différé, effectivement. Allez, peut-être le temps d'une dernière occasion pour les Dragons de Rouen. La passe pour Neza sur le côté. Neza, ça a été touché par Stepanek. Il reste 3 secondes encore à faire. Peut-être le temps d'un dernier lancer. Non, finalement, ce sera conservé par Kyle Hardy sur le côté. Quel tiers-temps de la part des Brûleurs de Loup qui sont parvenus à faire le break, qui rentrent au vestiaire avec 2 buts d'avance. Avec une très bonne gestion, hein, de la part du coach, ou en tout cas sur le coaching du côté grenoblois. C'est vrai que voilà, il a eu l'avantage qu'ils étaient souvent dans la zone offensive, mais sur les changements de ligne, il y a eu des bons choix. Et puis voilà, le scénario était idéal pour Grenoble qui a pris deux longueurs d'avance dans cette période. Et la gestion était intéressante aussi en fin de période, toujours du côté grenoblois. On va prendre le côté grenoblois puisque ce sont eux qui le mettent dans cette, après cette deuxième période. Et la gestion, on l'a vu, hein, sur les contres, on n'a pas cherché à aller marquer un quatrième but, mais surtout pour encaisser un deuxième. Tout reste à faire. Tout de même, dans cette rencontre, il n'y a que 2 buts d'écart entre les Brûleurs de Loup et les Dragons de Rouen. On va tout de suite écouter le capitaine des Dragons, celui qui a été auteur d'une saison régulière fantastique avec 52 points. C'est Loïc Lamperrier. À tout à l'heure.
Bonjour Loïc, contrairement à Grenoble, moins de repos, vous sortez d'une série intense face à Angers. Comment est-ce que vous vous sentez ? On se sent bien, on est prêt pour ce soir. Après, c'était des matchs intenses, mais ça, c'est les playoffs. Ça nous permet aussi d'être dans le rythme et d'être prêt à livrer des grosses batailles. Justement, vous sortez d'une grosse bataille. Est-ce qu'on peut dire que le match numéro 5, c'est le match pivot de cette série avec la victoire en prolongation ? Oui, surtout que ça s'est fait à la fin. C'était une belle série. Angers, ils ont essayé de prendre leur chance aussi. Ça s'est joué à des détails, en fait, comme les playoffs et comme cette série-là, je pense, va se jouer. Oui, forcément, on s'attend à une grosse bataille, une belle intensité entre deux formations qui se connaissent bien. Vous, particulièrement, vous connaissez bien Grenoble pour les avoir affrontés pendant de longues saisons. Quel genre de match on peut s'attendre ? Ouais, ça va être un match disputé, un match intense où il va falloir qu'on limite un maximum les erreurs parce qu'ils profitent de ça. Après, on les connaît bien, mais c'est des matchs super cool à jouer et ça va être que du plaisir. En tant que capitaine, j'imagine que ça doit être particulier pour vous d'aborder cette finale ici à Pôle Sud face à Grenoble. Particulier, oui et non. Toute l'année, on a travaillé pour arriver à ce moment-là. Donc c'est sûr que c'est toujours spécial d'aborder une finale. C'est toujours un sentiment un petit peu particulier. Mais c'est quelque chose, comme je te dis, qu'on travaille toute l'année pour ça. Donc on est prêt et puis on va tout donner pour essayer d'aller la chercher. Ça, on n'en doute pas. Vous avez une revanche en plus peut-être à prendre par rapport à la finale perdue. Le match numéro 7 à domicile il y a quelques saisons. Déjà, vous l'avez encore en travers de la gorge ? Ouais, il n'y a plus beaucoup de gars qui étaient là de cette époque-là. Après, des fois on gagne, des fois on perd. C'est la vie, c'est le sport. Donc non, il n'y a pas de sentiment de revanche. Il y a juste un sentiment d'envie de bien faire et d'envie de profiter avec ce groupe-là pour essayer de vivre des belles émotions. Sur quoi ça va se jouer ce soir dans les premières minutes ? Est-ce qu'on peut s'attendre un petit peu à un round d'observation en début de partie ? Écoute, là pour le moment je suis avec toi dans les tribunes donc j'en sais rien du tout. On va voir comment ça va se dérouler. Je pense pas qu'on se connaît bien, comme tu disais, on s'est joué 4 fois cette saison, on sait à quoi s'attendre de la part de Grenoble, ils savent à quoi s'attendre de notre part. Donc je pense que ça va partir tout de suite et puis on verra comment ça se passe. Merci beaucoup Loïc, bon match et puis bonne finale. Merci à toi. Grenoble, le hockey sur glace est l'une des disciplines phares de la région. Pour cette édition 2021-2022, les Brûleurs de Loup règnent sur la Cinerglas Ligue Magnus en terminant largement premier de la saison régulière. Une année extraordinaire que le club isérois doit en grande partie à son capitaine Joël Champagne, déjà titré avec Grenoble en 2019. Pour sa 5e saison avec le maillot rouge et bleu, le géant canadien a encore soif de victoire. Quand les joueurs viennent à Grenoble, ils veulent gagner, c'est sûr. Husso qui décide de jouer le joueur avec le lancer. Oh, qui termine sa course en pleine lucarne. Le tir de Hardy et la réaction immédiate des Brûleurs de Loup. Le hockey à Grenoble est une réelle religion. C'est 120 000 personnes qui viennent nous voir chaque année, donc c'est quand même un impact local fort. Gagner, c'est comme un peu une drogue aussi. Là. Tu goûtes à la victoire puis tu voudrais gagner. Les Brûleurs de Loup confirment leur état de grâce en play-off. Tombeur de Bordeaux en quart et Cergy Pontoise en demi, il retrouve les Ducs d'Angers en finale, vainqueur de la Coupe de France quelques mois plus tôt. Les finales sont très serrées avec notamment 2 matchs se terminant au tir au but. Grenoble mène 3-1 dans la série, encore une victoire pour décrocher le titre. Tout va se décider dans une rencontre décisive. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Pôle Sud pour le match numéro 5 des grandes finales de la Cinerglas Ligue Magnus entre les Brûleurs de Loup et les Ducs d'Angers. Avant le match 5, c'est sûr qu'il y a une petite pression, on sait c'est quoi l'enjeu, puis on est vraiment dans une mentalité de performer, puis jouer le meilleur hockey qu'on est capable de faire. Approach the games and those moments, there is no sense to change anything. It's the same way we always do. Joël Champagne face à Philippe Allais pour le premier engagement de ce match numéro 5 des finales. Les Ducs ont compté le premier but.
Allez, pour Giroud, la passe sur le côté, Morin pouvait le lancer qui vient tromper Stepanek. Does it matter like the now the Champions Hockey League game? So, but you can turn it as your energy, and that's the secret in my mind. Kind of like when you are able to do that, you are getting close. Deschamps, il n'y a pas beaucoup d'espace. Le tir, il a été dévié. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour Nicolas Deschamps. So kind of like you just have to keep working and doing your job. So I felt confident in that game in every way. Peter Vallier, la passe. Toute la temporisation exceptionnelle de Peter Vallier qui a offert ce but. À Coudry, ça fait 2-1 pour les Brûleurs de Loup de Grenoble. On sait que si on exécute le plan de match, si on travaille fort, on va avoir du succès. Pour Sacha Treille. Ouais, le but! Le but de Sacha Treille! Il est énorme depuis le début de cette rencontre et il est parvenu à trouver la faille. Exceptionnel. Derrière, et la passe décisive derrière. Ils sont incroyables, les Brûleurs de Loup de Grenoble. Et ils ont désormais 3 buts d'avance dans ce match numéro 5. Ils se rapprochent encore un peu plus d'un 8e titre. C'est sûr qu'à 4-1, tout peut arriver encore. L'équipe peut revenir de l'arrière, ça c'est sûr. Donc on n'est jamais sûr encore tant qu'il n'y a plus de temps au tableau de gagner le match. Always time to play the game until the last whistle. Attention à la cage vide. Champagne par-dessus et ça fait but. C'est peut-être le but du titre. Je me rappelle que tout le monde sur la glace, on était vraiment excités. Ben, toute la patinoire aussi. Et le décompte qui commence et les célébrations des Brûleurs de Loup de Grenoble, vainqueurs de la Cinerglass League Magnus, édition 2021-2022. My first reaction after the game was, I looked the guys. Là, c'est le moment qu'on va sur la glace, qu'on jette tout, puis qu'on serre dans les bras, puis c'est là qu'on se remémore un peu tous les moments qu'on a eu ensemble, puis en même temps, c'est les derniers moments qu'on va vivre avec le groupe. Donc, ouais, c'est quand même émouvant comme moment, mais avec un sentiment d'accomplissement, c'est sûr. Of course, that was a big moment for certain players of ours because they stopped their career in that game. So and kind of like, I don't know, is there any better place or better way to stop the career also than in a home game and winning the finals, winning the cup. Soulever la coupe avec tes coéquipiers, c'est vraiment un beau moment, mais aussi de le vivre avec tous les spectateurs et la famille, c'était encore, ouais, c'était vraiment cool comme moment. Je me rappelle pas de tout ce qui s'est passé après le match. During the evening, the locker room was so full of people that I didn't recognize even probably 20% of people who were there. Oui, je suis allé dans le vestiaire. Oui, j'ai changé avec certains joueurs, mais c'est une sorte de discussions ou d'échanges qui sont plus des remerciements mutuels. I just basically sit my assistant coach and with the guys on the in the locker room and relaxing and enjoying about seeing the people are happy around you. Partager le moment avec tout le monde, c'est vraiment incroyable. Les Brûleurs de Loup ajoutent une nouvelle Coupe Magnus à leur palmarès. Il s'agit là du 8e titre de champion de France pour le club. Ce 13 avril 2022 restera gravé à jamais dans les mémoires du peuple grenoblois. On me dit toujours, de toute façon, toi tu souris toujours, tu vas toujours bien.
Sauf que quelquefois, je ne vais pas toujours bien. Mais je m'arrange toujours pour ne pas le montrer. Cette maladie ne se guérit pas. J'ai peur d'être en fauteuil roulant. J'ai peur de ne plus pouvoir marcher. Quand j'ouvre la grille de l'école, je vois les enfants qui accourent. Et là, déjà, je me sens mieux. J'ai besoin d'eux. Ça me porte. J'ai eu de nombreux arrêts de travail. Si la MGEN n'avait pas complété mes revenus, la situation aurait été dramatique. De retour à Pôle Sud en direct, 3-1 pour les Brûleurs de Loup, tandis qu'il reste un tiers temps à jouer avant la fin de cette partie. Ils ont fait le boulot, on peut dire ça Stéphane, dans le deuxième acte, les Brûleurs de Loup vraiment qui ont pris le dessus et qui ont fait le break. Oui, deux buts marqués dans cette période. On a d'abord réussi à tuer la pénalité en début de période et après pris l'avantage de 1 et 3-1, doublé la mise en termes de buts dans les 20 minutes, dans la deuxième période, prendre deux longueurs d'avance et tenir surtout et être prudent sur la fin de période avec une bonne intervention de Stepanek lorsque Grenoble joue en infériorité numérique. Même si Rouen a eu des occasions, Grenoble était largement devant dans cette période. Et alors que l'on voit le deuxième but grenoblois de la période, le rebond et Trey qui reprend. D'ailleurs, c'est le premier but celui-ci dans la deuxième période. Non, c'est le premier but dans la deuxième période. Oui. Oui, tout à fait. J'avais dit le deuxième. Là, sur l'échappée, le lancer dans la mitaine de Pintari, de la part de Der, mais c'est bien joué. Hein. Voilà, il y avait pas beaucoup de temps. Pintaric qui prend le meilleur, hein, qui a été important quand même dans cette période, parce qu'on l'a dit, hein, 4 ou 5-1, ça n'aurait pas été volé pour les Grenoblois. Donc Pintaric, quand même, qui laisse ses joueurs dans le match, hein, parce que, alors que l'on voit le deuxième but avec beaucoup de trafic hein, devant Pintaric, mais voilà, deux longueurs de retard, c'est encore largement faisable pour les Rouennais. Il suffit de marquer un petit but pour revenir à 3-2 et la pression reviendra sur les épaules de Grenoble. Les 5 premières minutes, bien évidemment, vont être très importantes dans cette troisième période où il y a eu quand même une forte domination des Grenoblois. Et ça s'est traduit au chapitre des lancers, oui. Stéphane. Oui, 14 lancers pour Grenoble contre 8 seulement pour Rouen, un petit lancer de plus dans la deuxième période, ça fait un total de 24-15. Après 40 minutes, encore une fois, à l'avantage de Grenoble. Grenoble qui confirme que c'est une forteresse à domicile, qui n'a toujours pas perdu, ni en saison régulière, ni en play-off, ici à Pôle Sud. Oui, mais je me répète, certes, mais c'est vrai que très solide dans la zone neutre, très fort sur les duels, un bon échec avant, enfin voilà, ça joue bien. Ça joue au-dessus de Rouen aujourd'hui, hein, très clairement, même si Rouen a eu des occasions, en tout cas sur l'envie, le rythme. Eh bien, il y en a plus. Alors, de l'envie, non, on ne peut pas dire ça, parce que bien sûr que les Rouennais ont envie, on est là pour gagner, on n'est pas là pour acheter du terrain. Mais en tout cas, Grenoble a pris le dessus après un peu de flottement dans la première période. Les Grenoblois ont bien marqué leur supériorité pour l'instant dans cette rencontre. Mais encore une fois, 20 minutes de jeu, il reste. Et tout est possible, alors que Rouen a quand même une satisfaction dans cette deuxième période. C'est 10 engagements pris contre seulement 7 pour Grenoble. Et Rouen est devant, voilà, sur cette statistique qui a quand même son importance. Hein. 22 mises au jeu à l'avantage de Rouen, 21 pour les Grenoblois après 40 minutes. Et tiens, on en profite avant le début de ce troisième tiers-temps pour souhaiter bonne chance aux filles de l'équipe de France qui vont démarrer leur championnat du monde au Canada, avec notamment Pierre Pousse que l'on salue, qui a fait le voyage en tant que superviseur vidéo cette formation de l'équipe de France. Et ce sera à suivre sur Sport en France, évidemment, tous les matchs. Allez, le premier engagement de ce troisième tiers-temps, Beauchemin face à Champagne. Le prochain but de cette rencontre va avoir une grande importance pour le scénario. Et éviter bien évidemment les pénalités en ce qui concerne Rouen dans cette période, hein, qui leur ont coûté très cher dans la deuxième. Oh, attention à ce nouveau palais récupéré. Oh. Quelle passe de la part de Trey. C'est un festival, c'est fantastique. Pôle Sud qui rentre en ébullition quelques secondes seulement après le début du troisième tiers-temps. Ça fait 4-1 pour les Brûleurs de Loup. Mais quel festival. Alors, en tout cas, ça fait très mal au moral. Enfin, bien au moral pour les Grenoblois, beaucoup moins bien pour les...
pour les Rouennais après seulement 19 secondes sur la première occasion. Et quel jeu encore une fois de la part de Trey avec cette petite passe du patin. Et là, c'est vrai que tous les joueurs sont dirigés vers le palais, on va le voir sur le ralenti. Tous les Rouennais sont tournés vers le palais, ça laisse un champ libre complètement du côté opposé sur le jeu. On va le revoir. Voilà, échec avant déjà, encore une fois, on a dit que c'était solide. La mise en échec, là on vient forcer. Fort checking rotatif, on récupère le palais. La petite passe, magnifique petite aile de pigeon de la part de Trey. On revient se positionner. Oh, non, c'est bien fait, il revient de se positionner comme il faut. Et là, au deuxième poteau, eh bien Dahir qui vient marquer. Hein, voilà, c'est ça. Oui. Les joueurs sont en retard, on est tourné en retard. On l'a été beaucoup de toute façon du côté rouennais en défense. Et là, c'est vraiment, ça caractérise un petit peu ce qui s'est passé dans le match. Hein, le retard des Grenoblois sur le jeu des... Le retard, pardon, des Rouennais sur le jeu des Grenoblois. Et quelle petite aile de pigeon, quand même. Hein. Moi, je dis que ça, c'est de la passe. Ça vaut deux assists. Ah oui, magnifique, magnifique. Et que dire aussi du jeu de Aurélien Der qui a récupéré le palais sur le côté et qui est à la finition. Oui, non, c'est bien fait. C'est lui qui marque ce quatrième but grenoblois. Il était malheureux tout à l'heure après son face-à-face manqué. Il s'est bien rattrapé et ça fait trois buts d'avance. On parlait de l'importance du prochain but de cette rencontre. Eh bien, c'est pour les brûleurs de loup, hein, pour l'instant, que ça compte avec... Une avance confortable. Il est venu un peu vite en tout cas ce but. Pour le suspense bien évidemment, tant mieux pour les Grenoblois. Hélas pour Rouen, mais en tout cas c'était bien joué. Hein. Et quel patinage encore une fois des Grenoblois. Et l'efficacité dans la zone neutre, même si c'est récupéré par Rouen. Attention, la tentative de réaction des Dragons de Rouen qui n'ont plus le choix. Mais attention, le rebond favorable à Poukoula derrière lui pour Aubin. Aubin qui est toujours en possession malgré l'Oriné qui s'est couché. La passe, c'est directement pour Lucenius. Lucenius, et quel repli derrière de la part des brûleurs de loup. Il n'y a eu absolument aucun choix pour Lucenius qui avait récupéré ce palais. Ouais, 5 joueurs de replier tout de suite côté Grenoblois avec 2 joueurs en position du palais rouennais. Donc voilà, on est revenu dans la zone défensive. C'est toujours le bon positionnement, même si là c'est bien fait de la part des Rouennais. Le Borgne, la passe au deuxième poteau, c'est récupéré par Chakiashvili avec le Borgne, Munoz. Ah, tout de suite ça se projette vite hein, du côté des brûleurs de loup de Grenoble à la récupération. On sent une formation qui a envie, qui est morte de faim, peut-être aussi un petit peu moins de fatigue avec ces 9 jours de récupération hein. Oui, ça peut clairement, puis on est à l'extérieur hein. Rouen, faut pas oublier que c'est pas la porte à côté, le déplacement, même si on est venu la veille du côté des Rouennais pour dormir à l'hôtel et être sur place, mais voilà, il y a le déplacement, il y a l'intensité des matchs hein. 6 matchs joués contre 4 pour Grenoble, qui a eu 9 jours de repos, on vous le rappelle. Ça peut jouer aussi, on va le voir hein, sur encore plus peut-être sur la troisième période. Les Cadors qui répondent présent, un but, une passe pour Sacha Trey, 2 mentions d'assistance pour Damien Fleury du côté des brûleurs de loup. Rouyainen s'est récupéré par Beauchemin. Ouf. La passe mal ajustée, il va récupérer ce palais tout de même. François Beauchemin qui tente de prendre les choses en main, le décalage sur le côté. Il y a toujours quelque chose qui traîne, une crosse, un patin, il n'y arrive pas les Dragons. Quant à Gallo pour Dylan Yeo. Le décalage, oui, dans la course de Kelsey Tessier pour Roland Zviniers qui se retourne. Zviniers pour Enzo Cantagallo, le tir de Cantagallo, le rebond et la personne du côté des Dragons pour s'en saisir. Dylan Favre dans ses œuvres, deux joueurs électrisants, ils ne peuvent rien faire les Dragons de Rouen. La machine est en marche, la machine est lancée, ça fait 5 buts à 1. Ça va beaucoup trop vite. Ah oui, Favre qui avait été bien sur le repli défensif. Et là qui va récupérer le palais. C'est vrai, un petit rebond un peu favorable hein, sur le lancer, l'occasion, le rebond laissé. La passe par la balustrade. Voilà, un petit peu de crosse soulevée, mais le palais qui n'est pas à plat sur la glace, hein, pas facile à contrôler. Et là derrière, Favre qui vient marquer, qui aurait pu se faire mal après, hein, quand même, qui est venu percuter la. La balustrade. Ah, il y a eu des objets de jetés sur la glace, il faut faire attention. Hein, parce que le moindre objet en fait en général est pris par la glace, ça soit une pièce ou quelque chose. Ah, si vous passez dessus avec le patin, ça peut être très moche. Ah oui, surtout à la donc, vitesse dont vont les joueurs ce soir. De rien lancer, oui. Ça va très vite. Chakiashvili, le décalage pour Vincent Neza. Ils ont encore faim, les brûleurs de loup. Ils continuent de mettre la pression et à deux joueurs. Neza pour Maya.
zone offensive. Ouais, ouais, balai qui est récupéré. Je ne sais pas s'il faut laisser Pintaric, sincèrement. Moi, je changerai de gardien. Là. Oh, Munoz, attention, peut-être voir la suite. Le retour de Dodero derrière le palais qui traîne. Là, ça a été compliqué. Ouais, il n'a pas l'air dans son assiette. Non, mais 6 puis 5-1, il faut le reposer pour demain. On a 24 heures de récup. Là, c'est réglé. 4-1, 4 buts d'avance avec Grenoble. Il a mis son casque, Tonin Kobe. Il a prouvé en saison régulière qu'il était capable de faire gagner son équipe. Ah oui, il a été super solide. Pendant les blessures de Pintaric, oui, clairement. Et puis là, ça ne sert à rien de continuer. Et parce que là, vu la physionomie du match, on se demande de... ça peut être au fond, même ça. La déviation, et c'était Perret qui était présent sur la ligne des jeunes joueurs. Perret, Le Borgne, avec un joueur un peu plus âgé, Joris Bedin, originaire de la région. Flaviander, c'est récupéré par Le Borgne. Le Borgne qui vient temporiser tranquillement derrière les buts de Pintaric. Dodero, le décalage, attention, il était arrivé pleine vitesse, Joël Champagne, mort de faim, lui aussi le numéro 64, auteur d'une passe décisive délicieuse hein, sur le but d'Aurélien Der en tout début de troisième tiers-temps, après 19 secondes seulement, ouais c'est bien joué, à mi-hauteur, beau chemin, a du mal à se mettre en marche hein, tout de même cette ligne dévastatrice en saison régulière. Ouais, mais on a vu encore une fois l'effort de Champagne pour gêner le joueur rouennais. Et le privé de possession du palais et on redescend dans la zone défensive du côté rouennais. Allez, 3 contre 3. Allez, sur le côté à droite pour Boivin face à Kayla Hardy. 2 minutes. Ouais, il va y avoir une pénalité. Alors, est-ce qu'on change quand même Pintaric maintenant? C'est compliqué parce qu'on va être en supériorité numérique du côté grenoblois. Il a regardé le banc tout de même. Oui, non, mais c'est sûr, il va changer. Là. Fabrice Lhenry a fait signe à son gardien. Et alors, est-ce qu'il l'envoie là? Pour l'infériorité numérique, c'est une bonne question. Oh, faut attendre quand même, c'est pas. Et puis Pintaric, dans sa tête, il est déjà sorti. Il a vu ce qui s'est passé sur le banc. Mais y aller là, ça serait pas. Après, c'est pas très grave s'il y a un sixième but encaissé par Pintaric avant de sortir de la glace. C'est pas sinon, tu tues le. Ça compte pour une défaite. Oui, puis tu tues le gardien arrivant. 10-0 ou 1-0, une défaite c'est une défaite en play-off, ça compte pour 1. Ouais, et puis Coba, donc il va prendre la place de Pintaric. Oui, c'est, voilà, je pense qu'on va attendre la fin de la pénalité. Ouais. Yeo qui renvoie ce palais de l'autre côté. Ouais, sûrement un petit quart d'heure de jeu pour Tonin Kobe. Un peu moins. Petit alors, c'est ça. Un peu moins, c'est petit quart d'heure. Voilà. Aubin qui se retourne, Rouyainen, la fin de tir qui remet sur Aubin, que l'on a beaucoup vu, qui est très efficace dans ses playoffs. Oh, la superbe passe soulevée derrière le palais qui traîne, l'arrêt réflexe de Pintaric. Ils sont toujours en possession, les brûleurs de loups de Grenoble. Champagne, ouais, ça a été bloqué par Treille. Et puis là, pour masquer la visibilité, Treille, c'est pas mal. Ouais, tic-tac-toe, c'est bien joué. L'arrêt superbe de Mattia Pintaric qui s'offre un petit sursis peut-être. Aurélien Der. Oh, il était beau cet arrêt parce que là, oui, c'est allé très très vite hein, devant ses filets. Ils sont inarrêtables, les brûleurs de loups de Grenoble, avec Sacha Treille qui prend de la vitesse. Sacha Treille qui se retourne. Il y a Deschamps avec lui. La tentative de passe derrière s'est récupérée par Tomasino. L'accélération de Tomasino en désavantage numérique. Le lancer qui est arrêté tranquillement par Stepanek qui décide de jouer rapidement. Stepanek avec Nicolas Deschamps sur le côté, 49 secondes encore à faire de supériorité numérique. Oui, et Maxime Lamarche, qui accélère, qui est puissant quand il accélère. Maxime Lamarche, la passe pour Auden et c'est renvoyé de l'autre côté par Vincent Neza. Il dégage une certaine puissance, Maxime Lamarche. Dégagement interdit. Quand il accélère. Ouais, mésentente entre Lamarche et Fleury. Son excuse, Maxime Lamarche, auprès de l'ancien capitaine de l'équipe de France. Et engagement en zone offensive pour les Dragons de Rouen. Le Borgne avec Maya, palais qui est récupéré par Guimont tandis qu'il reste 25 secondes. Le Borgne, Dodero, palais envoyé loin devant, quelques secondes de grappillé. On peut assister à une fin de match complètement dingue.
reste possible, mais pour l'instant il va falloir complètement changer la dynamique du côté des Dragons, et c'est pas gagné. Deschamps, oui, la passe, oui, de l'autre côté, elles arrivent jusqu'au destinataire. Damien Fleury qui vient faire sauter la pipette de Mattia Pintaric. 6 buts à 1, ce match qui tourne à la correction. Ouais, soirée difficile, les changements de gardien qui a lieu, la pénalité était presque terminée, ou était même terminée, non ? Juste, enfin bon voilà, on va voir ça. Et en tout cas, voilà, sixième but des Grenoblois en supériorité numérique. On l'avait dit, il ne fallait pas prendre de pénalité dans cette période. Et là, allez, passe arrive passe, jusqu'à le destinataire, hein, de l'autre côté, transversal. Il y a du retard, on est tourné vers le palais, on ne s'occupe pas du joueur qui est dans son dos. Enfin, le positionnement des Rouennais est compliqué défensivement. Voilà, dos au jeu. Et on sait que la passe, enfin voilà, sur le deuxième défenseur, il est responsable du joueur qui était dans le rond-point d'engagement. C'est Fleury, en l'occurrence. Troisième point ce soir pour Damien Fleury. Deux passes, un but pour Damien Fleury. Ouais, sur les points compliqués aussi pour les Rouennais ce soir, il y a eu très rarement des situations de 3 contre 2, 2 contre 1, enfin voilà, des en supériorité numérique sur les contre-attaques. C'est ce qui a été la force de Grenoble, c'était souvent à 3-2, 2-1, plus de vitesse, moins de repli défensif des Rouennais. Et ça laissait beaucoup d'espace à une équipe grenobloise, qu'on le sait, qui est efficace, on vous le rappelle, hein, 28 buts sur la série précédente, soit 7 buts par match, sur les 4 buts lors de la demi-finale face à Cergy. Là, on est déjà à 6. Ils continuent sur leur lancée, oui. Les hommes de Girkiao. Alors que ça avait été un peu plus compliqué lors du premier tour, hein, face à Mulhouse, face à un grand papillon. Oui. Des matchs plus serrés. Même s'ils se sont imposés finalement 4 matchs à 1. Yo. Avec Tessier. Ouais, la passe à l'aveugle pour Lance Vigneurs. Le contrôle un peu long. Il s'est récupéré par les brûleurs de loups. Pas pour longtemps, il s'est arraché Vigneurs. Ouais, le palais dégagé finalement. Attention à Dylan Fabre face à Cantagallo. Il sent bien les coups. Dylan Fabre, il a marqué sur une situation similaire un peu plus tôt. Vigneurs, la passe. Attention, oh, elle est dangereuse, celle-ci. Et derrière, attention, le jeu qui peut continuer. C'est un 2 contre 1. Au bas, le tir en pleine lucarne. Premier lancé face à Kobe. Et premier but pour les brûleurs de loups. 7 buts à 1, c'est un troisième tiers-temps extraordinaire proposé par les brûleurs de loups de Grenoble, inarrêtable. Ouais, tous les contres, les rebonds favorables, tout est pour les Grenoblois ce soir. Triste soirée pour les Rouennais, ça avait commencé en deuxième période, on l'a dit, tout était encore possible au début de cette période, avec deux longueurs de retard pour les Rouennais. Et là, sur le lancer, il est bien, là, le palais pas complètement à plat, je pense, sur la glace, qui est très difficile à jouer pour Kobe. Voilà, puis là le défenseur est en retard, hein, sur une situation de 2 contre 1. Logiquement, non, ça n'était pas trop mal pour Kobe, mais en tout cas c'est difficile. Hein. Il vient de rentrer. Ouais, voilà, c'est le rythme ça, continue, ouais. Ce lancer qui est bien, super bien placé. Et puis le déplacement, le joueur qui vient de droite à gauche. Enfin, voilà, c'est hélas pour Kobe, compliqué. À 41 minutes et 31 secondes de jeu. Imon pour Dodero. Ouais, la question désormais, c'est pas qui, mais combien. Wow. Et après il va falloir jouer pour Stepanek, hein, c'est important de rester avec un but encaissé, 8-9-1, sincèrement. Bon. Oui, voilà, c'est ça. Oui, après, là, de toute façon, le coup sur la tête, les Rouennais, ils l'ont pris. Hein. Enfin, tu peux en rajouter deux. Oui. On a sorti Pintaric du côté Rouennais. Non, là, l'important, voilà, maintenant, ça va être capable de rejouer bien défensivement et de ne pas prendre de but. Ça doit être l'objectif du coach grenoblois maintenant. Pour ces 10 grosses dernières minutes de jeu, donc ce temps réglementaire. Office de supplice pour les Dragons de Rouen qui sont en grande difficulté. Ils sont parvenus à accrocher leurs adversaires dans le premier acte et puis derrière ils ont subi les foudres des brûleurs de loups. La passe pour Eloriné à la bleue. Bedin. J'ai l'impression qu'ils jouent avec un joueur de champ supplémentaire, hein, les brûleurs de loups. Sacha Treille, le décalage pour Aurélien Der qui envoie de l'autre côté un palais pour Joël Champagne. C'est récupéré par Eloriné. Récupéré. Ouais, la feinte de Joël Champagne. Palais renvoyé de l'autre côté jusqu'à Sacha Treille. Ça profite à Tommy Perret avec Boivin qui accélère en zone neutre. Du revers, Boivin, attention à François Beauchemin. Le tir qui est arrêté par Stepanek qui est rentré dans les têtes des Dragons de Rouen. Le portier des brûleurs de loups,
beau chemin encore une fois, et encore une fois c'est stoppé et sans rebond laissé cette fois-ci. Oui, Stepanek a fait un bel arrêt sur l'action précédente et qui s'avance bien, qui sort hein, pour boucher tous les angles en papillon, qui prend de la place hein. Et pas de rebond surtout, ce que vous avez souligné Charles, c'est important, quitte à concéder bien évidemment cette mise au jeu en zone défensive. Oh, attention à Dylan Fabre qui s'échappe, il a déjà marqué un but. L'électrisant Dylan Fabre, c'est légèrement touché par Dylan Yeo. Ah, quand il appuie sur l'accélérateur, c'est difficile de l'arrêter. Et heureusement qu'Yeo détourne le palais, hein. C'est difficile aussi à jouer pour le gardien de Rouen. Oui, parce que là, les Grenoblois fusent, vont à toute vitesse sur lui. Oui, puis le défenseur a forcé sur le porteur du palais, alors que normalement le porteur du palais c'est un peu plus pour le gardien que pour le défenseur. Donc si la passe va sur le côté droit, ou s'il n'y a pas le lancer, enfin Sissi après avec Sissi, hein, on en ferait pas mal. Quoi. On est déjà à 7-1. Ouais. En tout cas, nouveau but dans ces finales, dans ces playoffs, surtout pour Aubin. Son 7e, son 14e point depuis le début des séries éliminatoires. Maxime Lamarche face à Lamperrier, Nicolas Deschamps. Oh, et la fougue, la hargne de Loïc Lamperrier qui a tenté de trouver Roland Vigneurs parti en contre. Pas réussi à le trouver. Le tir puissant de Kyle Hardy, lointain, venu tester Donin Kobe. Ouais, Tomasino ouais, qui se attention à la charge, retourne. Oui. Charge de Raymond. Il récupère très rapidement les palais en zone défensive, les brûleurs de l'eau. Et se projette comme d'habitude vers l'avant. Le retour de Vincent ouais, bon, Desa. Oui, bon repli défensif. Il est arrivé très vite. Lucius. Décalage sur le côté pour Dodero. Effectivement, la petite frappe à la bleue. Il passe pas. Hors jeu, Lévi. Hors jeu. En top. Ouais. Ah, tout le monde vous a écouté hein, là-dessus. Le jeu s'est arrêté. Ces soirs de fête à Pôle Sud se dirige vers une première victoire dans ces finales de Cinerglas League. Magnus, les brûleurs de loup qui ont faim de trophées, qui ne semblent pas rassasiés après avoir remporté la Coupe de France et le titre la saison dernière, même si le chemin est encore long évidemment, et que les Dragons de Rouen n'ont pas dit leur dernier mot. Oui, c'est le premier match, voilà, c'est un 1, c'est déjà bien. On verra bien évidemment demain la suite, la réaction rouennaise. Oui, Adel Coudry, le décalage sur le côté. Attention, il y a encore de l'espace pour Alancy. Il a tenté ras du sol, ras glace. Ouais. Flaviander, c'est récupéré par Le Borgne. Les jeunes joueurs qui ont plus de temps de jeu, hein, Tommy Perret et Kalyan Le Borgne, dans cette fin de rencontre du côté des Dragons. On aimerait bien revoir Sacha Trey, hein, l'homme qui patine à la vitesse d'un cheval au galop. Et un cheval au galop, c'est dur à arrêter. J'en ai pas fait l'expérience. Oui, je sais pas si vous, c'est... mais j'espère ne jamais en faire l'expérience. Ouais, Damien Fleury, Sacha Trey, enfin ils sont beaucoup. Hein. Auteur d'un bon match aujourd'hui du côté grenoblois. Chakiashvili à la ligne bleue. Chakiashvili qui cherche une solution, il a perdu le palais, il n'y a rien qui réussit au Dragon de Rouen dans cette rencontre. À l'image de ce nouveau palais récupéré par Sacha Trey, il y a la lutte avec Elorine derrière pour Chakiashvili. Natif de Briançon. Champagne pris par Elorine. C'est vrai que cette ligne elle est dévastatrice. Hein. Joël Champagne, Aurélien Der et Sacha Trey. La passe pour Lamarche, le décalage Rouyainen, Champagne, ouais, ils s'en sortent les brûleurs de loup, c'était chaud, c'était limite. Parvenu à conserver le palais en zone offensive et éviter le contre. Le jeu des Grenoblois, là très clairement, voilà, on pense à défendre et pas aller prendre le deuxième but. On l'a bien vu sur le positionnement, oui, c'était.
et un joueur qui va presser. On appelle ça quoi, un 4-1? Oui, un 4, enfin, vous voyez, c'est un 2-2, c'est un 2-2, voilà, on n'était pas, on force pas à deux joueurs, en tout cas, ça c'est sûr. Et personne ne va derrière la cage et on attend que Rouen fasse le premier, la première passe pour bouger. Yeo, trouvé par Tomasino. Dylan Yeo, tandis qu'il reste 6 minutes et 21 secondes encore à jouer. Yeo. Cantagallo qui est trouvé de l'autre côté face à Dylan Fabre. Et il s'en sort. Enzo Cantagallo qui se retourne. Cantagallo qui vient trouver un coéquipier, en l'occurrence Loïc Lamperrier. La passe pour Dylan Yeo dans une bonne position. Le rebond qui a été trouvé. Le rebond pour Kelsey Tessier. Les Dragons de Rouen qui réduisent l'écart. Est-ce que ce sera suffisant? 6 minutes encore à faire. 5 buts d'écart. Alors qu'il y a un joueur de Grenoble qui réclame une faute. J'ai pas vu qui c'était. Ah, c'est Raymond. Qu'est-ce qu'il y a eu devant la cage? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui nous, et en tout cas qui m'a échappé, ça c'est certain. Je ne vais pas vous entraîner dans les problèmes de vue. Ah, il a fait le ménage avant de lancer Kelsey Tessier. Oui. On va revoir ça. Il y a des supporters à côté de nous qui ne sont pas très contents. Ils veulent le même ralenti et clairement il y a une grosse charge quand même. Une grosse faute de la crosse dans le dos. Oui, il y a de quoi protester. Mais bon, de toute façon le but sera partiré, il est validé, mais oui, clairement sur le ralenti. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que ça ait pu m'échapper en fait. Je sais pas où le plafond, qui est sympa le plafond cette patinoire. Avec notamement la bannière de Christophe Huette. Il y a eu ménage là, comment dire. Il a fait le ménage, Kelsey Tessier. Il a donc marqué le deuxième but de sa formation. À voir si ça va changer quelque chose pour cette fin de rencontre. Ils ont quand même beaucoup de retard là, les Dragons de Rouen. Neza pour Lucenius. Derrière lui, Guimond qui laisse filer jusqu'à Dodero. Oui, mais c'est important pour moi aussi cette fin de période d'être capable de montrer voilà, qu'on marque un deuxième but déjà, 1-1 depuis qu'on a changé de gardien. Hein. Depuis qu'il y a Tonin Kobe, dans les buts rouennais. Voilà, même si on le voit, Grenoble bien sûr ne cherche pas particulièrement à marquer, mais s'il y a des occasions comme maintenant. Oh, attention avec le lancer de Flavien Der, et ça c'est un arrêt important pour Tonin Kobe. Sans rebond laissé, le gardien remplaçant de Mattia Pintaric. Et on revoit ce tir. Ah, pas de rebond. Non. Ah, il y avait une belle série de victoires avec Tonin Kobe lorsque Pintaric était absent. Ah, il a tenu la baraque très clairement. Flavien Der avec Coudry. Der. Coudry. On passe à la bleue avec Raymond qui vient tirer. Oh, le missile téléguidé signé Raymond, et ils reprennent encore une avance largement confortable. Les Brûleurs de Loup qui inscrivent un 8e but dans cette rencontre. 8-2, c'était le score du match précédent pour les Brûleurs de Loup face au Joker de Sergi Pontoise. Ils sont sur leur rythme de croisière, les hommes de Jerkiao. Ah oui, encore un duel gagné le long de la balustrade, le palais qui va à la ligne bleue, du trafic et le lancer qui finit du côté de la mitaine. Et on voit Kobe qui regarde ses coéquipiers. Là voilà, ça va commencer à passer devant lui dans pas longtemps. Voilà, hop, et là tu le perds le palais, tu le perds de vue. Ah, c'était vraiment compliqué. Ouais, c'est compliqué. Le timing est parfait. Le pressage, oui, parce que ça aurait pu. S'il passe un petit peu après, ça peut percuter le joueur. Oh, ouais, pas de pénalité. La démonstration grenobloise qui continue, 8-2, oui, rendez-vous compte, 8-2 dans ce match numéro 1 des finales de la Cinéra Classique. Magnus, oh que c'était superbement bien fait de la part de Maxime Lamarche, il a failli nous offrir un but extraordinaire. Un petit peu égoïste quand même, hein, un petit peu tout seul, mais c'était beau. Oui, ça change. Ça change. Oh, la charge derrière de Sacha Treil. Ils sont au-dessus dans tous les compartiments du jeu, les Brûleurs de Loup de Grenoble. Et Enzo Cantagallo, qui a subi les foudres de Sacha Treil, a du mal à se relever et à reprendre ses esprits. Et il va même retourner au banc en faisant la grimace, Enzo Cantagallo. Et ça peut jouer aussi pour la suite de la série. Oh, le palais qui est touché.
Kevin Kobe, et donc ce sera un engagement en zone offensive pour les brûleurs de l'eau. On dit qu'on va revoir la charge, le contact de Sacha Treille arrivé en collision au niveau du corps. Il se protège, ouais. Tomasino avec Dodero. Il y a de l'espace sur le côté gauche. Oui, Kelsey Tessier qui va le prendre. Tessier qui arrive tranquillement dans le gant de Stepanek. 3 minutes et 33 secondes de jeu encore à faire dans ce troisième tiers-temps. Alors sincèrement, je ne pensais pas que ça se déroulerait comme ça. Surtout après les 20 premières minutes, hein, il y avait, on vous le rappelle, un partout. La deuxième période, ouais. Même si Rouen, voilà, Grenoble avait été plus solide que Rouen, mais on voyait des bonnes choses quand même de la part des Rouennais. Et deux longueurs de retard seulement, mais c'est vrai que ce but marqué après 19 secondes dans la troisième période, ça a calmé Rouen, et puis en plus ça a déroulé derrière. Allez, Damien Fleury, encore une situation de 1 contre 1, Damien Fleury. Oh, et derrière Guimond qui était pas loin de projeter ce palais dans son but. Palais qui va rester dans l'air de jeu. En tout cas, beaucoup de pas situations vraiment. De contre. Hein. Ouf, cross-check. Oui, de Dodero là face à Damien Fleury. Mais là, c'est ce qu'il faut pas. Voilà, faut vraiment éviter tout ça jusqu'à la fin du match. Attention, parce que ça, ouais, ça c'était moche. C'était vraiment sous nos yeux. On se fait passer des messages hein, pour la suite de ces finales, hein, Stéphane. Oui, mais là, c'est plus le moment. Là. Autant tout à l'heure, il fallait qu'il sorte de la zone défensive. Autant tout à l'heure, oui, dans la deuxième période, on peut comprendre, mais là, non. Oh, attention, avec le lancer de Aubin et Loriné qui a perdu sa crosse, parvenu à défendre tout de même. Ah! Et Loriné, l'accélération, et là ça vient chauffer. Les entre deux. Chakiashvili et Boukoula, coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, mais il y a de la frustration côté rouennais. Il y a un peu de provocation aussi. Grenobloise. Ouais, Chakiashvili qui s'en va au bord des pénalités. Ouais, ça c'était. De l'autre côté. En tout cas, sur chaque action, on va se faire des petits cadeaux. Hein. Ouais, ouais, mais c'est pas bon. Faut terminer ce match. Faut rester concentré. C'est dur de terminer proprement. Ouais, mais faut éviter les pénalités. Faut éviter aussi de se moquer de l'adversaire. Il faut voilà des deux côtés. Et puis, bien sûr qu'il y a la frustration côté rouennais, mais voilà, faut finir ce match et après ça repartira pour une deuxième rencontre. Celle-là, faudra la laisser derrière. Bâton du côté Grenoble aussi, hein, de toute façon. Donc voilà, ça sera une autre partie. Mais là, faut éviter tous les petits travers hein, qui ne servent pas à grand chose. Et on peut avoir des blessés aussi hein, quand il y a des mauvais coups. Donc voilà. Les deux joueurs chassés. Oui, c'est un bon choix. Oh, Dylan Favre qui a tenté un petit geste technique face à Sacha Guimond. C'est un sacré client hein, quand même, Sacha Guimond. Voilà, on l'a vu, hein, la facilité sur le cut-check, sur le. Le dribble ouais. Qui avait été fait par Favre. 5 points face à Angers, Sacha Guimond, ça avait été un élément extrêmement important, dont 3 buts, 2 dans le match 5 pour un défenseur. Allez, Guimond. Oh, la feinte de Guimond, que c'est bien fait la facilité du numéro 44. Avec le tir dévié. Oh, attention, en deux temps par Boivin. Ouais, qui aurait pu se faire mal aux adducteurs. Là. Je pense que c'est pas fait un peu mal parce qu'il s'est retrouvé en grand écart. Il revient péniblement au banc. La marche hein, contre la bande pour Aubin avec Rouyainen. Ouais, le tir puissant. C'est arrêté, dévié par Todin Kobe, mais c'était encore un tir surpuissant ça de la bleue. Fort, ouais. On ne se fait pas de cadeau. Le lancer lointain, une nouvelle fois. Le saut par rassasier, même s'ils ont marqué 8 fois et qu'on approche de la dernière minute. Et Loriné. Toujours à 4 contre 4. Pour encore 23 secondes. Ouf. Oh, attention, oui. Et la sortie de Stepanek. Tessier. Oh, attention, Loïc Lamperrier, la feinte avec le tir enchaîné derrière son rebond qui est saisi. Mais qui a été dévié par un joueur des brûleurs de loups de Grenoble. Ouais, qui vient toucher le filet. Il y a 41 secondes de jeu.
211 dans cette patinoire de Pôle Sud. L'accélération à droite pour Coudry. Coudry pris par Guimond avec Dylan Favre, chargé par Dodero. Retour à 5 contre 5, 25 secondes encore à faire. Oui. Ouh, le bras de l'arbitre levé une fois de plus. Que le Rouennais qui prend 2 minutes, oui. Ouais. Fabrice Lhomry qui demandait. Oui, mais même à Pierre Dehaene, je pense. Enfin, les deux, il s'adressait aux deux arbitres. Et c'est Pierre Dehaene qui lui a répondu. Parce que c'est Damien Blic, qui est équipé d'un micro. Qui donnait les 2 minutes de pénalité uniquement du côté rouennais. Donc il y aura une nouvelle supériorité numérique pour les Grenoblois et largement le temps de la concrétiser. Allez, 20 secondes encore à jouer, dernière supériorité numérique de cette partie probablement. Flavien Dair qui vient trouver Coudry avec Dair et le palais qui a été renvoyé de l'autre côté. Et là on n'a pas mis le powerplay habituel du côté des brûleurs de loups et on va laisser jouer, on va en rester là. C'est la fin de ce match numéro 1, la démonstration et total du côté des brûleurs de loups qui remportent haut la main ce match numéro 1. C'est une correction, 8 buts à 2, le message est passé. Et vous l'avez peut-être entendu, un 38 tirs cadrés pour Grenoble dans cette partie contre 26 seulement pour les Rouennais, mais c'était mieux en troisième période avec 11 lancés. Mais que dire de cette période où il y a eu 5 buts de Grenoble contre un seul. Encore une fois, des Rouennais pour et 7-1 dans les deux derniers tiers-temps aussi. Oui, 7-1 dans les deux derniers tiers-temps. Ouais. Ouais, compliqué pour les Rouennais ce soir. Il va vite falloir oublier cette défaite. Et là, des deux côtés, il va falloir mettre les compteurs à zéro. Oui, et on va être reparti dans 24 voilà, heures pour le match numéro 2. C'est plus facile hein, psychologiquement et moralement pour les Grenoblois hein, dans une lancée. Mais voilà, les 10 premières minutes, comme souvent, seront importantes lors du match numéro 2. Stéphane, votre homme du match, il faut en choisir un de chaque côté. C'est pas évident. Alors peut-être Damien Fleury côté brûleur de loup oui, ou Sacha Treille. Damien Fleury ou Sacha Treille, oui. Oui, oui. Un des Roland deux, Vigneurs, en tout cas, du côté. Et du côté rouennais, Vigneurs. Bien joué. L'escroc, wow. Un escroc, le vrai, le voici. Ah, j'aurais pas osé le dire. Non, je. Roland Vigneurs, hein, qui a pas posé très longtemps, évidemment. Il est beaucoup bien important pour l'équipe des brûleurs de loup. Et c'est Yacoub Stepanek hein, qui aura été très solide et qui va être l'homme du match du côté des brûleurs de loups. Deux buts sur 26 lancés, c'est bien. De toute façon, c'est bien. Et qui va pouvoir faire sa célébration habituelle dans quelques instants. Il va se jeter face au COP grenoblois qui reste pour l'instant toujours invaincu à la maison, le petit tour d'honneur. Et puis, ils vont rentrer chez eux parce que demain, il y a match dans 24 heures et ce sera un match totalement différent, peut-être en tout cas pour remporter la Cinerglas League Magnus, il faut remporter 4 matchs et pas un seul. Oui, on est qu'au début, hein. Tout est encore possible pour les Rouennais, encore une fois c'est une série 4-2-7, la première équipe qui a 4 victoires, les deux premiers matchs ici à Grenoble, les deux suivants à Rouen, et puis déjà avant de parler de suite, on peut en parler, mais on va commencer par le match de demain soir. Oui, bah justement, on va jeter un œil au programme à la suite qui va être diffusé sur nos antennes de ces finales de Cinerglas League Magnus. Rendez-vous donc dans 24 heures à 20h30 pour le match numéro 2 entre les Brûleurs de Loups de Grenoble et les Dragons de Rouen. Et puis ensuite, il va falloir voyager un petit peu, aller du côté de la Normandie pour les matchs numéro 3 et 4 qui auront lieu les 8 et 9 avril. Et puis après, s'il y a match 5, ce sera le 12. S'il y a match 6, le 14. Et s'il y a match 7, le 16 à Grenoble si nécessaire évidemment. Un grand merci Stéphane Clou, on se retrouve dans 24 heures. Merci à vous, merci à toutes et à tous, surtout en régie et voilà tous ceux qui nous ont aidés ce soir pour voir ce premier match. Exactement, merci à toutes et à tous. On vous donne évidemment tous rendez-vous dans moins de 24 heures, donc à 20h30 demain soir pour le match numéro 2. Merci à toutes les équipes en régie. Très bonne soirée et à plus. Salut.